Aïssé Fouemsem, jodi an c'est 4 juillet 2024. M'ap di nou que Dr. Gary Koni a rentré dans le pays d'Haïti le 6 juillet kap vini la. Koulèv présidentiel cette traite là, plus de traite fait 9 traite là, paniqué. Voyage Dr. Gary Koni an, Koulèv cette traite là senti que le paniqué, yo frustré. Et voyage seulement fait monsieur tout ouais que yo pas gain pouvoir, yo pas autorité. Si nous pas mettre pour utiliser même parole, même déclaration que ancien sénateur et dozen était fait hein. Connait qu'elle t'a dit li encourager Dr. Gary Koni mettez tout membre Koulèv cette traite là de côté. Et puis agit en gros pointette. Moi te dis docteur Gary Koni. Nous connons comment rentrer là. Nous est comment rentrer. Mais comme nous même cap bataille dans médias en ligne pour nous garder comment nous t'avons permettre que Haïti t'a sorti dans sa gueule trouver là. Nous dit clairement nous pas pral faire une bataille en face pour nous bloquer toute démarche yo. Mais quelque part nous là pour nous encourager. Et orienté ou dit ou mais ça qui là mais ça que tu commencé déjà avec l'argent l'état que peuple ta bal bénéficier pour comment pour continuer yo c'est ça nous là pour nous faire avec micro plateforme YouTube et Foubeto et c'est ça diaspora ici a besoin peuple ici a besoin sécurité pour rentrer dans pays yo après tout temps on fait dans diaspora pas rentrer je dis a besoin rentrer est-ce que au café ou rentrer c'est ça au besoin comme garantie. Démarche ou voyage ou pas intéressé yo. C'est sécurité que yo besoin. Eh bien, Gary Koni effectue un voyage dans Washington DC, qui c'est capitale politique mondiale là. Nous allons rencontrer avec moun que nous connaissons yo. Tout gros palto, tout gros babine. Moun qui toujours a parlé pour Haïti comme zami Haïti, comme représentant pays zami Haïti. Nous yo. Nous avons image, nous avons tout net. Pas de problème. Maintenant, qui s'est passé? Koulèv cette tête là. Et c'est là encore une fois, Mabdil. Il y a un grand monde qui a raison sur tout ce qui a passé dans le pays. Lire le Guy Philippe. Guy Philippe dit, ouais, monsieur, ça qui a vu là. Li pa pral craser en face yo, li pa pral bouler en face yo, li pa pral bloquer en face yo. Sauf que pa gen rien que a vinn régler là, que vinn boter l'argent. Vinn continuer effondrer pays d'Haïti. Ta que moi-même franchement, si m'te ka déplacer, m'te tomber dans pestel comme moi commandant sous plage, m'ta pral boire ti kokoye ensemble avec li, ti lam boucané avec ti sauce et sardine moi et ti sauce pisquette moi, m'ta pral manger ti m'ta pral. M'ta pral manger ti lam ensemble avec commandant. Gou grand moun ki ge raison, li le Guy Philippe. Et meilleure formule pour que ou capable solutionner problème sa gamba, qui fait que Haïti pas ka fonctionner, qui c'est un phénomène de sécurité, ce seul Guy Philippe kale nan nan problème nan. Qui vient avec formule nan clair, qui dit ou mes solutions. Et de fait de prendre à mes processus seulement, nous pas aboutir avec un véritable résultat. Tout Haïtien tap satisfaire. Guy Philippe. Nous parlons tout nèg yo pas de blil. Minorité a pas de blil. Docteur Gary Koni font déclaration dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Monsieur dit comme ça que il y a 12 000 moun qui prend 12 millions moun en otage. Parole ça fort. Parole la lou. Maintenant, comme il n'y a pas de décortiqué, en pile il s'est posé la question, est-ce que dans 12 000 moun qui prend Haïti en otage, est-ce que la classe politique là dedans? Est-ce que le secteur privé de gang là dedans? Et puis, y compris, troisième pilier gang là, qui c'est gang à sa patte là. Docteur Gary Koni, la classe politique là dans la confusion. La oligarchie dans la confusion. La si bandi yo tête, non, problème pirate. Parce que bandi yo mouri quand même. Mouri comme souvle. Maintenant, ça qui est important pour que nous connaissons, la Russie frappe très fort. La Russie frappe très fort.
Et en plus, pas oublier. Réunion ça qui effectué dans le Conseil de sécurité des Nations Unies hier, dans New York. Et selon l'information, c'était la Russie qui était présidée. Représentant la Russie qui était présidé et réunion ça. OK? Et bien naturellement, la Russie dit clairement, Nations Unies pas fait rien avec régime de sanctions. OK? Avec résolution que vous te prend pour sanctionner les cap vend zam cap vend bal cap financer gang dans pays d'Haïti yo. Nations Unies, li dit Nations Unies responsable parce que li gen toute série de alors de résolution yo qui était presque voté à l'unanimité alors voté à l'unanimité nous sauter de résolution pour aller tomber dans l'autre ça qui puis sévère nous pas mettre en application. Maintenant qu'on a ça que nous avons posé comme question, qui est-ce qui gère le Conseil de sécurité des Nations Unies? Qui est-ce qui gère les Nations Unies? Si que une résolution prend à l'unanimité, et puis nous, les Nations Unies, ont des sanctions, ont des résolutions qu'elles sautent, là, elles tombent dans l'autre. Elles tombent dans 26-53, elles tombent dans 26-45 pour mettre en application pour que la classe politique a tout dépassé à net, pas après trois oligarques qui tapent libre. Nous avons tout résolu le problème de sécurité net, Nations Unies sanctionnelles. Alors sautez-le. Quand nous avons posé cette question, qui ça fait au lieu de mettre l'application, ils sont obligés de prendre l'autre résolution plutôt. Eh bien, et là aussi, ils ont rendu Nations Unies responsables. Parce qu'ils ont dit que nous n'avons pas fait qualité de travail, ça. Nous avons des preuves tangibles sur le monde qui a financé la gang. OK? Nous avons des informations fiables. Sous moun sa yo, et puis pour dire comme ça que nous pas agi avec régime de sanctions yo. Et bien la Russie dit que Nations Unies pas font bon travail. Nous comprenons ça veut dire. Le bail de la Russie, la Chine, les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France, c'est deux pays qui ont droit de veto dans le Conseil sécurité des Nations Unies. OK? Eh bien, la Russie frappe très fort. Qui raison, qui cause? Résolution 2645 là par rentrer en application. Résolution 2645 là, depuis que j'ai une preuve sur où on a financé gang, il y a pas arrêté où. Il y a sanctionné où, il y a pas arrêté où à prendre prison, il y a saisi tout bien où. Mais ça parole là dit oui. Hey! Monsieur! T'as une possibilité pour nous déjeuner pour être concrètement. Mais au coup de la route, gon casser pied. Posez question, pas qu'à une réponse. Parole yon en pile. Vous d'accord avec moi? Parole yon en pile, oui. Et bien, nous pourrons parler de ça plus parce que Dr. Gary Koni parle, dedans, naturellement, et conseil et sécurité. Gagné Roberto Alvarez, qui est ministre des Affaires étrangères de la République Dominicana, la République Dominicaine, qui prend la parole tout, qui dit que il y a des supports qui sont capables de bailler avec. Fos et Kenya, mais qui pa go bagay. Nous pral fontande tout à l'heure. Gen tout suite après réunion dans Conseil de sécurité des Nations Unies, Premier ministre Dr. Gary Koni te jwenn yon invitation dans RFI pendant environ 8 à 9 minutes justement, Premier ministre répond question. A pas Dr. Gary Koni pas dit nous vérité sur dossier Fos. Et alors, Kenya, ça, peuple haïtien, c'est qu'on a mis une comprenne raison qui cause Dr. Gary Koni pas jamais devle évoquer chiffre là. Est-ce que nous connaissons dans le pays d'Haïti pas 400 soldats kenyans? Parce que, on m'a dit, ben tout ça fragile, oui, ou pas tu peux dire non, mais effectivement, li fragile, mais faut ne pas bailler menti ça. Comment faire ou prêt pour bailler RFI vérité, ou pas prêt pour bailler la presse haïtienne vérité? Dr. Gary Koni, ça, Mbaba Donoli. Ou dit dans RFI. Kote li, bon fait peuple attendre. Parce que m'pap gen cœur. Li important parce que ça m'pap accepte yo. Sou manque de respect que li. Nou pa tolérer gen de bagay sa yo. Son pays quand même. Si n'ap dirije li, faut nous respecter moun ladan. Peuple haïtien ki tan bay, gari koni trop bagay. Et pou ap sérieux ti kal vérité. Faut dire clairement,
ou qui écoute un Jacques Vini, mais sauf que ça là il a 400. Faut qu'a dit peuple ça. Mon qui était tout pour n'a répéter mot 400, n'a serré ça. Me comprendre que phénomène dossier sécurité ce qui sensible, mais quelque part, li pas sensible pour média international, mais sensible pour nous mêmes haïtiens. Ça me pas prendre. Si qu'on pas deal dans média international yo, nous pas prendre pour un big deal. Mais naturellement par le fait qu'on dit li, eh ben ma foi qu'on est que nous pas prendre. Li pas sonner bien dans oreille nous. Nous pas accepter, nous pas tolérer je le fait là. Et docteur Gaïgoni ou ban des ordres. Il ne va faire peuple attendo, nous obliger faire peuple attendo parce que nous pas tolérer gens de bagage ça yo. OK? Nous pas tolérer gens de bagage ça yo. Il va nous pas accepter nous-mêmes. Nous pas attendre avec un pile intérêt papa haïtien. Docteur Gaïgoni, t'es dans micro RFI et il est extrêmement important pour que nous partager ça ensemble avec vous. Parce que vérité a sur plateforme YouTube, il faut mettre lui-même, il n'y a pas caché. Et bon, mettez le bon nom. Docteur Koni, dans le micro, RFI. En avance, Radio France Internationale, c'est ça, hein? Bonjour, Gary Conille. Bonjour. Vous avez été nommé il y a tout juste un mois. C'est votre premier voyage officiel. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher à Washington? Des appuis financiers, des conseils pour diriger Haïti? Nommé depuis un mois, mais installé, ça fait à peu près 2 semaines. Et j'ai un gouvernement, ça fait un peu plus d'une semaine et demie à peu près. La démarche de Washington rentre dans le cadre d'un effort que nous sommes en train de faire pour regalvaniser dans une certaine mesure la communauté internationale autour du dossier haïtien. Un, pour rappeler la situation d'Haïti où 80% du territoire de la zone métropolitaine est contrôlée par le gang, où la moitié de la population est en insuffisance alimentaire, où nous avons des problèmes qui sont très, très sérieux. Donc, ça fait partie de la démarche que nous sommes en train d'entreprendre pour nous assurer que la communauté internationale continue à nous accompagner. Vous avez promis que l'État haïtien reprendrait le contrôle des quartiers occupés par les gangs avec l'appui de la mission internationale de soutien à la police nationale haïtienne. Il y a un premier contingent de policiers kényans qui est arrivé la semaine dernière à Port-au-Prince. Combien sont-ils à ce jour sur le sol haïtien ? Il y a à peu près 200, un peu plus que 200 dans le premier contingent et on s'attend à ce que dans les prochaines semaines, ce chiffre augmente de matière. Tout à l'heure, motion d'ordre, Premier ministre. Et même Jacques Côté répond pour la presse haïtienne, non? Pour des raisons de sécurité. Pour raisons de sécurité, nous ne sommes pas capables d'avancer chiffre. C'est ça que tu dit, je pense que c'est logique, oui. C'est qu'on t'a dit qu'on sait que ou pas capable de chiffrer là tout. Et là, l'étape sonne bien dans l'oreille, non? Et je suis jaloux. Voilà, je suis jaloux. Je suis jalousie là parce que qui ça fait que nous, même haïtiens, ou cachons nous. Alors, ou cachons nous chifflant, et puis, quand c'est France, Radio France Internationale, RFI, et puis, ou. Dit exactement ça va galayer. Ou dit pas même 400 non? Et puis tout à l'heure, ça va répéter 400. Hein? Oh la gavre, oui. Que nous sommes en train d'entreprendre pour nous assurer que la communauté internationale continue à nous accompagner. Vous avez promis que l'État haïtien reprendrait le contrôle des quartiers occupés par les gangs avec l'appui de la mission internationale de soutien à la police nationale haïtienne. Il y a un premier contingent de policiers kényans qui est arrivé la semaine dernière à Port-au-Prince. Combien sont-ils à ce jour sur le sol haïtien? Il y a à peu près 200, un peu plus que 200 dans le premier contingent et on s'attend à ce que dans les prochaines semaines, ce chiffre augmente de manière significative. Oui, car 2500 policiers de la force internationale doivent arriver à terme. Quand est-ce qu'elle sera au complet? C'est un processus qui est en cours. Je préfère ne pas parler de date exacte, mais ce que je peux vous dire, c'est que les partenaires haïtiens sont très engagés et sont en train de prendre toutes les dispositions pour que ça se fasse le plus rapidement que possible. Oui, il y a des problèmes logistiques, des problèmes de logement, notamment pour ces policiers kényans. Ce genre d'opération, en général, il y a toujours énormément de choses que nous devons résoudre, mais ce que moi j'ai vu et ce qu'on a compris dans les conversations que nous avons avec nos partenaires, c'est qu'ils comprennent bien l'urgence et ils se sont très engagés à pouvoir offrir le support et l'appui qu'il faut pour que ça se concrétise. Pour l'heure, ces policiers kényans notamment font quelques patrouilles, mais il n'y a pas d'opération d'envergure. Quand est-ce que cette force va commencer réellement à remplir ses missions ? La mission de cette force est évidemment d'accompagner la police nationale qui n'a jamais cessé de faire des opérations.
donc le lead dans la reprise de ces territoires qui sont aujourd'hui occupés par les gangs, ça sera toujours la police et l'armée d'Haïti. Donc c'est nous qui allons décider à quel moment, dans quel contexte et comment cet accompagnement sera nécessaire ou à une valeur ajoutée. Évidemment, nous allons discuter avec eux pour voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir nous aider. 2500 hommes pour appuyer une police qui est en sous-effectif. En face, on estime qu'il y a plusieurs milliers de membres des gangs. Est-ce que c'est suffisamment dimensionné? Je pense qu'il y a trois considérations. La première, c'est que la sécurité, ce n'est pas seulement une affaire de police. C'est une intervention qui doit être beaucoup plus complète. Et le succès de l'opération ne peut que se matérialiser. La pérennité de l'intervention ne pourra se matérialiser que lorsqu'on aura pleinement réconcilié la police avec la communauté. Donc nous, quand on envisage les efforts que nous sommes en train d'entreprendre, on a cette vision-là. Il nous faut vraiment renforcer la capacité de notre police. Et ce que ces contingents nous permettent de faire, c'est de nous appuyer en même temps que nous sommes en train de renforcer nos effectifs. On vient de graduer 455 policiers et des forces spécialisées. On va continuer à le faire de manière systématique. Donc, c'est pas une... Vous êtes déjà là. Ça n'est pas responsable, non, docteur Kone. Mais vous obligez. Vous obligez Fonti Campil. Et pour faire cette intervention, parce que comment ça se passe? N'a pas été gradué. Policier, alors, police, alors, deux policiers qui étaient guettants dans la police déjà, mais qui pralaient dans l'autre unité spécialisée. On n'a pas eu de 450. N'a pas eu de plus de 400 policiers pour un pays. Pour un pays. En tout cas, l'accompagnement de la mission, c'est surtout, si vous voulez, un accompagnement bien spécifique et limité dans le temps, on l'espère, qui nous donne l'espace qu'il nous faut pour renforcer nos propres capacités. Est-ce que cette lenteur relative du déploiement de la mission internationale de soutien, est-ce que cette lenteur permet aux gangs de s'adapter, de voir comment s'adapter à la force qui va leur être opposée, tout simplement? Comme je vous disais tout à l'heure, la police nationale d'Haïti n'a jamais cessé de faire des interventions, n'a jamais cessé de protéger la population, évidemment avec les limitations que vous connaissez. Et donc, en ce sens, probablement, oui, je présume que les gangs sont en train de se positionner, mais ça, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire pour sûr, c'est que quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, je vous assure que dans un délai pas trop lointain, l'État reprendra le contrôle de tout le territoire national. Jimmy Cherizier, c'est un puissant chef de gang, que l'on appelle Barbecue. Il a fait savoir qu'il était prêt au dialogue la semaine dernière. Est-ce que vos équipes ont des contacts avec lui? Est-ce qu'on discute, quand on est le gouvernement d'Haïti, avec les gangs? Comme j'ai répondu à cette question il y a déjà quelques semaines, il faut d'abord déposer les armes et reconnaître l'autorité de l'État avant tout dialogue. C'est ça la première démarche. Vous déposez les armes, vous reconnaissez l'autorité de l'État et ensuite... What? Et très bien, Dr. Gary Kone, naturellement, et dit que l'éclair sous saleté d'Ian et l'irréitéréli... Alors, l'irréitéréli... Et il dit comme ça que ça que le message qu'il gagne pour monsieur Ameyo, c'est déposer les armes et reconnaître l'autorité de l'État, d'accord? Et puis par la suite, il y a possibilité pour que nous entamer un processus de dialogue. Et bon, c'est toujours même bagarre commandant Guy Philippe, il pas l'autre parole, non? Peut-être que il doit passer par quatre chemins et pour que Guy Philippe pas gain crédit, mais Guy Philippe a l'étape crédit, non? C'est Haïti, oui. Guy Philippe, ça le dit, il va dire dit pour pays, non? Mais il le dit pour Haïti, parce que c'est Haïtien qui t'a bénéficié. Yo. Et ou après tout ça que Guy Philippe te dit, c'est exactement lui-même qui va le faire. Et finalement, tout le monde va le c'est Guy Philippe qui t'a raison dans tout sens. Parce que la meilleure formule, là, c'est comme Guy Philippe qui t'a gagné. Allons, Guy Philippe, ça, monsieur. Mon cher, moi, pour tout le monde, garçon. Moi, pour tout le monde. Ou pas qui ou puis, ou pas qui ou en bas près de nous. Ou son leader qui a une vision. Parce que, pas oublier, faire politique pour qui ça? Qui ça politique veut dire? Nèg sa yo kap fè politik an Ayiti a, yo pa fè politik, yo pa konn sa vle di tout. Ou du moins, yo pa involonté. Ou même ou son dirijan. Dirijan c'est qui ça? C'est prévoir. Justement, mais nécessaire kan ba. Est-ce que lè yo tap bay zam ne pa prévoir ça ta privé là? Yo te konnèl. Peut-être yo te prévoir on bagay nan sens pa yo ki ta pral bay rezultat pa yo. Peut-être ça y, m pa considérer comme bagay non, mais sauf que ça qui est important pour nous, c'est que monsieur fait nous mal. Monsieur fait nous en pile mal, yo doit payer
pour que pour mal yo fait nous parce que ça nèg yo fait nous n'a payé très cher là n'a pas tolérer li on fin tande docteur Gary Koni dans micro France et alors RFI. Au-delà de la sécurisation du pays, l'économie, le système de santé sont à terre en Haïti, ils n'existent pratiquement plus. Plus de 5 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. Comment est-ce que votre gouvernement compte répondre à ces urgences? Quelles priorités vous définissez? Le gouvernement de transition est en place sur la base d'un accord, qui est l'accord du 3 avril, et qui définit clairement les grands axes d'intervention et les priorités. Évidemment, il y a la sécurité, il y a la crise humanitaire, il y a les problèmes de corruption, entre autres, et certainement les élections. Nous venons de terminer 2 jours de retraite où les différents ministères ont complété des feuilles de route qui identifient très clairement comment nous allons avancer vers ces différentes priorités de manière organisée. Et justement, le but de cette visite, c'est de voir dans quelle mesure est-ce que nos partenaires peuvent nous accompagner de manière très systématique dans la mise en place de différentes stratégies qui, à notre avis, devraient pouvoir aboutir. Je dois vous dire que, ce qui nous donne beaucoup, beaucoup d'espoir, c'est que au cours de ces dernières semaines, les partis politiques qui en général ne s'entendent pas ont pu arriver à un consensus pour construire un système de gouvernance qui a maintenant un conseil présidentiel de 9 membres. Ces 9 membres ont pu s'entendre sur un premier ministre. Nous avons pu mettre en place un gouvernement en 7 jours. La force est arrivée, la population a accepté plus ou moins cette formule transitoire. Donc moi, ça me donne beaucoup. Et la communauté internationale est très mobilisée, beaucoup plus qu'elle ne l'était il y a quelques mois. Donc je suis assez confiant qu'avec cet accompagnement, nous allons pouvoir réussir. Vous avez, Gary Koni, passé plusieurs années à l'étranger, comme dans la coopération internationale, avec les Nations Unies notamment. Si vous prenez un peu de recul, et je sais que c'est difficile, puisque vous êtes citoyen haïtien avant tout, comment est-ce que vous, d'un point de vue presque technique, professionnel, vous jugez l'état de votre pays aujourd'hui? La situation est excessivement complexe. Et ce n'est pas parce que, comme vous dites, ce n'est pas seulement parce que les gangs contrôlent la majorité du territoire, ce n'est pas seulement parce que nous avons, comme vous venez de dire, 4,5 millions de personnes en insécurité alimentaire. Ce n'est pas seulement à cause des problèmes de développement, mais c'est parce que, justement, il y a une faiblesse institutionnelle. Les instruments qu'en général un gouvernement se donne pour pouvoir approcher ces problèmes n'existent plus. Et en même temps, je dois vous dire que l'accompagnement que nous avons reçu jusqu'ici de la communauté internationale, à mon avis, mérite d'être revu. Mais ce que je crois fondamentalement pour avoir fait ce travail un peu partout à travers le monde, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de fatalité haïtienne. La deuxième chose, c'est que malheureusement, jusqu'à présent, la population haïtienne n'a pas encore eu un gouvernement qui reflète sa générosité, sa résilience et sa capacité de travail. La troisième chose, c'est qu'il nous faut le leadership et la vision qui est avant tout haïtienne. Et la quatrième chose, c'est qu'il faut un accompagnement qui est beaucoup plus durable et qui nous amène à terme jusqu'à la résolution de nos problèmes, ce qu'on n'a jamais eu jusqu'à présent. Est-ce que vous allez pouvoir tenir le délai d'organisation d'élections d'ici à 2025, alors qu'il n'y en a pas eu depuis 2016 en Haïti? Nous sommes déterminés à le faire. Je pense que ceci est absolument indispensable. Il faut que nous puissions avoir le plus rapidement que possible un gouvernement élu, pas plus tard que le 7 février 2026. Comment organiser des élections dans un pays qui compte à ce jour près de 600 000 déplacés internes et où il y a une méfiance sans doute d'une partie de la population pour des raisons de corruption que vous avez vous-même qualifiée d'enracinée, de mauvaise gouvernance enracinée? La première chose, c'est qu'il faut rétablir la confiance de la population dans ses institutions et la capacité de cette transition à pouvoir effectivement créer un environnement qui lui permette d'aller valablement vers les élections, ce que nous pouvons, de quoi on pouvoir faire. Nous avons pu mobiliser des hommes et des femmes qui sont connus pour leur intégrité, pour leur capacité de travailler, pour leur professionnalisme et pour leurs compétences. Et nous allons continuer à le faire avec le CEP, nous sommes en train de travailler avec le partenaire et nous allons avoir un régime aussi, une conversation constante avec la population, énorme de transparence, on lui dira exactement ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire et on espère l'impliquer de manière constante dans ce qu'on est en train de faire et on espère que c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à terme. Gary Koni, merci. Merci à vous. Merci en pile. Voilà, c'était docteur Gary Koni, justement, qui était dans le micro, RFI, et qui t'a répondu à une question sur le fonctionnement du gouvernement là et voyage là et aux États-Unis d'Amérique, plus précisément à Washington DC, et qui s'accule à le régler. Qui sont à le régler? Est-ce que c'est l'argent à le chercher? Qui sont à le régler? C'était ça la question. Et justement, et
Gen yon pile l'autre bagay qui passe dans la République. Mais gen yon nan dossier kap domine actualité ya, parce que m'te getan vinavel avant que ouè et li pren tout toile réseaux sociaux. Et eh bien naturellement m'te getan gen information qui passe dans couloir et ministère de la Justice. M'te getan gen information kap sekele nan Port-au-Prince lan. Et bien que c'est pas sur la table, et, mais quelque part yon glisson ti bagay ba nou, parce que nous toujours gon ti l'ancien et de madame de Jean bagay lan yi. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, dossier qui gen pou wè avec et Pierre Espérance, Nenel Kassi, Jocelyn Brivère. Moi, je veux dire que là, on a parlé de Pierre Espérance. Ce n'est pas Pierre Espérance là pour nous directement. On a parlé de Pierre Espérance là tout, mais c'est trois mouns. C'est Nenel Kassi qui dit ça. C'est Jocelyn Brivère qui dit ça. Et c'est moi qui te dis, je veux nous qu'imbé ça pour nous. C'est Pierre Espérance, Nenel Kassi, Jocelyn Brivère. Pas j'en oublie ça. Nenel Kassi, c'est Nek Danip. C'est ancien sénateur NIP. Il était élu dans NIP pendant deux fois. Jocelyn Brivère, c'est ancien sénateur NIP. OK? Il était élu comme sénateur. En 2016, qu'est-ce qu'il fait? Jocelyn Brivère, il a fait monsieur Jocelyn Brivère qui est en face de lui. Edgar Leblanc, actuellement, là, nous, qui est dans le conseil. Bagaille cette tête ça Edgar Leblanc il pas jamais voulait mettre tête lui comme un leader qui voulait à l'élection non parce qu'il connaît il pas trois monde elle non mais là tout petit complot qu'a fait pour une transition Edgar Leblanc moi dit sauve oui monde qui plus sérieux s'il était plus sérieux pour ça se coule dans couloir ça veut passer depuis 2016 Edgar Leblanc voulait président mais c'est dans couloir coquin dans couloir madame pas jamais voulait envie à l'élection pour ta faire campagne pour faire peuple connait pour mettre peuple non c'est le bagaille. Ou du moins, vient avec des projets en face peuple, bien détaillé, il n'y a pas besoin de ça. Mais c'est un compromis, si un bout de papier, pour y mettre le président. Et bien, depuis 2016, il a commencé. Justin Brivet était bon sous lui. Et là, au fin de tout, le président Jovenel Moïse, coulève cette traite-là. Mais quoi, c'était avant, il a tout le président, ou bien après, il a tout le président, il coulève cette tête qui met tête ensemble, il mettait. Alors, on coulève 42 têtes à l'époque. 42 mouns qui étaient dans l'hôtel Montana, autant de voter, il y a un monde comme président. Et le gars, il est là-dedans. Les a été choisi et Fritz Jean, Fritz Alphonse Jean, ancien voleur banque et cassette et banque centrale et puis ils te mettaient l'autre comment les demoiselles Yorel Steven Benoît. Ils te mettaient là dans le tout comme premier ministre. C'était ça que le tayé. Mais Ariel comme criminel pareil yo, Ariel pas d'abord passé. Ariel te dit yo, moi équipe pour qui fait maintenant chambre cap faire jouer de jouer tête. Vous comprenez? Ariel te dit yo des petits monde cap faire jouer tête. Et Ariel pas d'abord valer. Et nous même qui toujours mettre cana, faire cana monter tabou. Ariel pas de pour rien non. Ariel te manque au dégât. Eh va go causer oui. Ariel pas de pour rien parce qu'on est ces même madame yo, c'est même gang yo, c'est même voleur yo. Maintenant mais ça pour que nous connaît. Haïti rivé là. Pas ni deux ni trois monde qui mettait là. C'est politicien haïtien. Pas gen ni deux ni trois monde qui mettent là, c'est politiciens haïtiens oligarques cap vann moun fatra dans pays qui mettent là. OK, si pays est capable rivé là, c'est nèg ça qui mettent là pour que ça c'est yo toujours qui toujours besoin là. Et ou même comme jeune qui wolo qui paye ko vle ou voulons Haïti pour toujours pété courir. Ou t'as quelqu'un qui fait zak dans le pays, pour courir, c'est de à l'aise, en dos pas à l'aise, et puis tout le monde connaît que c'est là qu'il est à l'aise. En faut-il t'en dire? Un jeune journaliste qui est tout pays en remet. Malheureusement, situation pays, vient faire que des fois, on est obligé à rouler. Mais son est qui en pile capacité, qui moi-même te remet tout, et me toujours remet. En t'en dire, avec un pile intérêt, devant PDG Radio, qui se garde pour le chat, n'a pas fait intervention ça yo. Youn après l'autre parce que yo extrêmement important. Et m'a invité nous tande ça avec un peu d'intérêt. Tande ça. Qui Jean Onèg tout ka prend Pierre Espérance au sérieux. Moi l'aime fait venir nous mandé monsieur le rapport. Me dit non parce que moi pas connait le rapport Pierre Espérance. Pas connait yo. Et pas ça m'a pli. Et depuis la Pierre Espérance te fin dit dans radio que pas connait question chèque BM pad parce que son pays comme si
Moun nan met fini, yo ou le kon nan la bou, apre sa nou pren yo, nou reben yo, nou remete yo sou moun, anpi nou di yo vin continue fonctionner. Et peyi ak nan etale ya, c'est parce que nou fèl kon sa toutan. Parce que ouais, politicien nou gen la jodi ya nan peyi d'Haïti ya gari, se yo ki gen règne peyi ya depi ane 90 yo. Non men. Se yo ki tou bay peyi ya. Tout problème, mais chaque peyi problème nou pa ramre le lot moun. Se yo. Se men men. Nous relayons encore. Chaque pays a des problèmes, nous relayons encore. Côté Moïse, côté Paul Denis, n'a pas cherché. Côté Kaplim, mais qui va voter? En 90, c'était là. C'était là. En 2000, c'était là. En 2010, c'était là. Et ils sont toujours là. Et ils trouvent dans tout problème que nous avons. Mais à chaque fois qu'il y a des problèmes, nous ne pouvons jamais relayer l'autre monde. C'est yo. Parce que nous, tout le monde a besoin qu'on ait dans la conjoncture nous là, ça Paul Abdi. Dans la conjoncture nous là, ça Capé Abdi. Abdi. Dans la conjoncture nous là, qui ça Serge Gilles Abdi, ça met Ben Abdi. Mais depuis un petit matin de mettre Ben. Donc même ça, vous êtes chef, vous êtes sénateur, vous êtes député, vous êtes ministre, vous êtes magistrat, pendant 30 dernières années. Yo. Donc c'est vous qui mettez le pays dans l'Italie, mais chaque pays a un bon problème. C'est vous-même. C'est vous-même. Donc c'est même Jean nous fait. Nous remorquer Pierre Espérance. Nous remorquer. Donc, on est qui prend un com. Même tout vous dit ça. Monsieur dit, lui pas prend l'argent. Le yon de Mario Lengil, lui dit, lui pas prend bagaille l'argent, pas prend bagaille comme ça. Bon, le yon montre Pierre chèque là, dit oui, yon te balil. Et m'fom tout ça. Coup de compte, Zan Mimogaville, Boagene, Abdirigea. Participer dans même bail là, il blanchit monsieur, il dit que blaté bien passé. Alors que à l'époque, même administrateur RNDDH, à l'époque, dit chèque la pas rentré. Et c'est sur un cadre de crédit qui est rapport. Chèque la pas rentré dans l'organisation. Ou dans une institution qui vient qui doux, comme la calme, il était bien dépensé. Maintenant, qui sauve pour Pierre Espérance fait? Il appartient à un groupe politique, il y a un groupe politique pâle. Organise les droits humains. C'est politique qui a fait tout. Parce que yo-même politique qui a fait tout. Yo-même, yo-même, moun pa yo vle ki nan conseil électoral. Yo-même, moun pa yo vle ki nan cour cassation. Yo-même, moun pa yo vle ki sénateur. Yo-même, moun pa yo vle ki député. Yo-même, moun pa yo vle ministre. Yo-même, moun pa yo vle ki nan palais. Oui, yo te au pouvoir. Oui, yo te au pouvoir. Donc, chaque lè yo au pouvoir. Yo pe, lè yo pa au pouvoir. Yo goumè pour yo pren pouvoir. Donc, c'est des groupes politiques. Koun a grand constat pour nous faire, c'est que ensemble des groupes politiques n'a parlé là yo. Pas jamais goumé pour bien net. Le fonds d'organisation des droits humains est soutenu par un pôle de l'international parce que vous faites confiance en pile. Oui. Vous parlez avec vous et vous financez. Yo. Et il faut que nous connaissions, c'est la présentation rapport de l'organisation, c'est la jeune COB pour payer pour l'administration fonctionner. Donc, c'est des organisations qui ont des tentacules à l'étranger, qui ont présenté rapport et puis qui ont fait COB parce qu'il faut vous toucher. Parce qu'il faut vivre, il faut toucher. Parce que c'est pas ces rapports qui font faire COB. Parce que c'est le financement international. Oui, il faut que nous comprenions ça. Et entendez bien qui est-ce qui est Pierre Espérance là. Parce que l'on a parlé de Ravet ça, ou même qui peut-être pas vraiment suivre, pas vraiment suivre dossier politique yo, depuis ce matin, et pendant le temps que vous avez fait préparation à l'assassinat du président Jovenel Moïse, vous ne pas suivre ça. Yo, mais il faut qu'on connaisse que. Qui est-ce qui commence yo et qui est-ce l'autre de nous cité en pile qui raison fait nous cité comme ça qui est-ce yo ou de tendre ça avec un pile intérêt est-ce qu'on connait qui est-ce qui Pierre Espérance en faut tendre une intervention que Plaisimon Jean bien sûr Plaisimon Jean Di Marco ensemble avec Gary Pepponchal entendez Jean on est tout ca prend Pierre Espérance au sérieux. Moi, l'aime fait venir, nous m'a dit si le rapport. Elle me dit non, parce que moi, pas qu'on lit le rapport Pierre Espérance. Pas qu'on lit. Yo. Et pas ça m'a pli. Et depuis la Pierre Espérance, Stéphane dit dans la radio qu'elle pas qu'on question chèque BMPAD. Parce que son pays, comme si, moun nan met fini, yo ou le kon nan la bou, après ça nous prend, nous reben yo, nous remette yo sou moun, et puis nous dit yo vin continuer fonctionner. Et pays ak nan etale ya, c'est parce que nous fait le constat tout le temps. Parce que ouais, politicien nous gen la jodi a nan pays d'Haïti a gari, c'est yo qui gen règne pays a depuis année 90 yo. Non men. C'est yo qui tou bay peyi a. Tout problème, mais chaque pays problème nous pa ramre le lot moun. C'est même même. Nous relayons encore. Chaque pays a des problèmes, nous relayons encore. Côté Moïse,
Quand Paul Denis, n'a pas cherché, quand t'es Kaplim, mais qui va voter? En 90, t'es là. En 2000, t'es là. En 2010, t'es là. Et y'a toujours là. Et y'a toujours dans tout problème que nous y est. Mais à chaque fois qu'il y a problème, nous pas jamais aller l'autre monde, c'est yo. Parce que bon, tout le monde toujours besoin qu'on est dans la conjoncture nous y là, ça Paul a dit. Dans la conjoncture nous y là, ça Capé a dit. Dans la conjoncture nous y là, qui ça c'est Gilles a dit. Ça met Ben a dit. Mais depuis un petit matin de mettre Ben. Donc même ça, vous êtes chef, vous êtes sénateur, vous êtes député, vous êtes ministre, vous êtes magistrat, pendant 30 dernières années. Yo. Donc c'est vous qui mettez le pays dans l'Italie, mais chaque pays a un bon problème. C'est vous-même. C'est vous-même. Donc c'est même Jean Nouvel, nous remorquons Pierre Espérance. Nous remorquons. Donc on est qui prend un cob. Même tout vous dit ça. Monsieur dit lui pas prend l'argent. Elle vole comme le yon mande Mario Lengil, li di li pa kon bagay l'argent, pa kon bagay kon sa. Bon, le yon moutre piye chèk la, li di oui, yo te balil, et m'fom dou sa. On sa kdu ya, Pierre Espérance moun Gary. Gary ta de, et ma kwa pa, et le ma kwa pale, ma kwa fwa pe fò, Gary pa ka di ma kwa pa pale. Aso ou ben petet, off record, comme Simda Joe, et off mic, comme si Gary était plus ou moins glissant ces bagailles pour ma copa frappe. Parce que Pierre Espérance, tout le monde pèle. Il y a gang policier qui a fait physio. Il y a gang à sa patte qui a fait physio. Et même si Gary te connaît, c'est Pierre Espérance qui t'a fait physio. Il y a dans la radio, Gary Pape dit c'est Pierre Espérance. Et c'est ça pour nous connaître dans le pays. Qui cause nous Haïti arrivé là? Impunité totale. Ça fait que depuis le fin de fête, il fait. Il y a un pile de monde qui est dans le pays. Il y a un monde qui tel. Politicien fait ou yel, mais le gemi koual parce que politicien kon balavel, li ka se fait couvrir ça. Aussi simple que ça. Et maintenant, ça continue à protéger la vie moun toujours. Pierre Espérance son assassin. Ante de ma koukap devoué gang nan. Coup de compte, Jean Mimogaville Boagene, abdirige a, participe dans même bail là, il blanchit monsieur, il dit que blaté bien passé. Alors que à l'époque, même administrateur RNDDH, à l'époque, dit chèque la patrie. C'est sur un cadre de crédit. Chèque la patte rentrée dans l'organisation. Quand on a une institution qui vient qui doux, comme la calme, yo y a bien dépensé. Maintenant, qui sauve pour Pierre Espérance fait? Il appartient à un groupe politique, il y a un groupe politique pâle. L'organisme de l'humain, c'est politique qui a fait tout. Parce que c'est politique qui a fait tout. Il y a un monde pas qui est dans le conseil électoral. Il y a un monde pas qui est dans la cour cassation. Il y a un monde pas qui est sénateur. Il y a un monde pas qui est député. Il y a un monde pas qui est ministre. Il y a un monde pas qui est dans le palais. Il y a au pouvoir. Oui, il y a au pouvoir. Donc chaque lè y a au pouvoir. Il y a paix. Lè y a pas au pouvoir. Il y a goumen pour prendre pouvoir. Donc c'est des groupes politiques. Qu'on a grand constat pour nous faire, c'est que ensemble des groupes politiques dans le palais là, pas jamais goûter pour bien être. Le fonds d'organisation doit humer tout est soutenu par un pôle de l'international parce que vous faites confiance en pile. Oui. Vous parlez avec vous et vous financez. Il faut que nous connaissions, c'est la présentation rapport de l'organisation, c'est la jeune COB pour payer pour l'administration fonctionner. Donc, c'est des organisations qui ont des tentacules à l'étranger, qui ont présenté rapport et puis qui ont fait COB parce qu'il faut vous toucher. Parce qu'il faut vivre, il faut vous toucher. Parce que c'est pas ces rapports qui font vous faire COB parce que le financement international. Oui, faut que nous comprenions ça. Et par contre, si nous connaissons avec qui rapidité organise droits humains, chaque on va passer, il vient expliquer comment ça passe. Voilà. Ça dit bien, oui. Mais qui compte ma coupe pour le frappe qui est dur? On entend avec un pile intérêt, papa, ici. Entendez ça. Bon, moi-même, je vais demander ça, peut-être ça gagne 3 ou 4 semaines. Parce qu'il faut vous toucher. Parce qu'il faut vivre, il faut toucher. Parce que c'est pas ces rapports qui font faire COB. Parce qu'il y a un financement international. Oui, il faut que nous comprenions ça. Et par contre, si nous connaissons avec qui rapidité organise les droits humains, chaque on bagaille passé, il vient expliquer comment ça passe. Bon, moi-même, je demande ça, peut-être ça gagne 3 ou 4 semaines. Ça, puis à part, pas dit qui est-ce qui tue Jovenel. Parce que chaque bagaille qui passe organise les droits humains. Avant la police, avant tout l'autre monde, que tant qu'on est ça qui passe, il y a un bon petit mamie qui vient expliquer non rapport. Et je pense que c'est un rapport même préparé avant action en fait. Avant action. Tellement rapport a venu vite. Donc, Kounia, ou pas capable d'attendre que Pierre Espérance a fait un rapport. Et Jean Dabdil d'Alea,
comme Ariel pas dans groupe politique tout ça qui est important dans rapport oui c'est Ariel là non mais c'est Ariel bon regardez boy non Ariel qui sorti dans appel croisé dans appel croisé ça rappelle moi rapidement les 1000 pages de Jaronel Sénateur habité Gonsel donc ça dans grâce à Delma c'est que où tout nèg en Haïti tout gon bouc émissaire son grain moun y a cherché détruit Ariel Jaronel Sénateur te gon rapport gain 1000 pages relevé téléphonique mais aussi ton seul nom grâce à Delma grâce à Delma ça dit Anel à l'époque relé un seul moun sous 1000 pages là donc c'est ce qui arrive. Et non, nous non, ça veut dire Badjo, papa la Paul Denis. Ni papa la personne, non, non, personne d'autre. Donc c'est pas Ariel qui parle. Pas oublier. Pas oublier, non. Ça qui est important pour nous connaître tout, démarche bicéphale là, lié tout à Ariel côté lié dans la position politique là. Parce que faut mettre Ariel dos au mur, soit l'accepter bicéphale là, ou bien le démissionner, lui remettre pouvoir. Parce que la logique de l'organisation de Wamouna, lui-même, c'est que lui voulait un président provisoire. Il y a toute réunion pour un gouvernement provisoire qui fait. Oui. Donc, rapport vient diminuer la capacité Ariel pour Ariel résister, pour le capabilité comme premier ministre. Qu'on y a tout, lui permettre de faciliter mobilisation opposition contre Ariel pour le dit international là. Mais monsieur n'était pas. Derrière, brisé bagala. N'a pas fait une intervention qui est intéressante, ou brisé bagala, rentrée politique. Et bullshit et bagaille la donne. Attendez ça. Ariel Henry, c'est sûr que il y a des bagailles que monsieur pas accepté. Oui, monsieur donc non. Ça vient faire que il y a des monde. Pas oublier intervention ça a été faite c'était dans moment sous Ariel parce que nous même dans Infobeto et plateforme réseaux sociaux c'est seul archive là qui a prêté pour nous. Parce que pas oublier politicien avec avec tout allié lio, là il a fait ça, il a fait dans pays, il a oublié quelque part. Mais c'est l'or aller le bouillon. Yo était sous cabane la caillou avec madame yo ou bien madame yo a fonti vie télévision pourtant des baou yo dit tel madame nan fonti tourner li pa ka dit madame nan quitter le nom madame nan fonti tourner sous lui et c'est là oui ba la fragile là on continue attendez parce que il y a des bagages qui intéressant toujours attendez oui nous allons traverser un chapitre qui est extrêmement important parce que nous avons plusieurs interventions que nous pourrons partager ensemble avec vous et que nous gain là voilà monsieur non la première interview monsieur fait monsieur dit dans scoop donc li pa nan affaire bicéphale ça veut dire li rejeté ou équipe politique. Équipe politique ça, ça ba équipe politique ça un gros coup de pied. Elle prend un coup terrible, un coup de massue. C'est déclaration Beauplan. Beauplan dit que les hommes et les femmes de l'opposition sont bonnes vagabonds. Ouais. On tout vire sur Beauplan. Ouais. Beauplan dit c'est vagabond seulement qui dans l'opposition. Y compris lui-même. Ce qu'il pas dit. Oui, uh-huh. Ce qu'il va dit. Et les non dit. Vous savez que développer du mal, c'est que Beauplan voulait exister toujours dans l'opposition pendant la palais à Jovenel. Mais ça, Beauplan pas dit, c'est qu'il pas dit que le document pour le signer pendant ça, non Agdira, te dit en signer un document ça, on prêt accord. Après ça, on va jouer négio, même si on pas vle, on pas avancé quand même. Beau plan roulé négio dans farine, il va jamais signer à quoi. Ça veut dire beau plan fait partie de l'opposition qui pas vle Jovenel là. Ça fait deux troisième bag qui gagne. M'te vle bon val sous ça. Beau plan pas m'a quoi beau plan besoin sénateur, ni besoin député, ni besoin rien du tout là. Beauplan besoin de qui ça vole en bas. Remarquez qu'on popularité dans le département Jovenel là, département pas là. Nord-Est, c'est ça? Nord-Ouest. Il voulait rouler sous popularité ça. Pour créer une autre image politique. Comme l'opposition, pas de dire Beauplan lui-même comme premier ministre, parce que tu es rejeté Beauplan, Beauplan t'en Jovenel mourir, Beauplan tuer l'opposition. Donc, Beauplan renforcé. Ariel, sans que le baron n'y compte, hein? Il renforce Ariel, parce que nèg l'opposition yo a composé pour le pouvoir, bon plan dit nèg ça c'est vagabond pour remettre au pouvoir. Ouais. Mais il faut bon connait, nous tous connaissons, nèg qui est politique, yo, c'est vagabond, yo tellement vagabond. Si ce n'est pas le cas, si bon plan est accepté avec Dera, avec Watson Sanon,
avec Kelly Bastien. Pour te faire un préaccord avec Jovenel, Jovenel pas tapé tant mouri. Donc malgré qu'on connaisse vagabond, mais c'est nous-mêmes qui toujours apprécié dans les médias traditionnels là. Et c'est ça oui qui problème non. Moi même qui était même ta gagner pour gagner Gary Peuple Charles. Même pas comme Raymond. M'a pris comportement qu'on gagne. Est-ce que vous comprenez? Envers un peuple, envers un pays, avec un micro qu'on gagne, qu'on est capable d'aider en pile. Nous qui trop amis qui pas bon monde. Nous qui trop volé. Nous manger boue avec trop gang, avec trop criminel, trop assassin. Nous qui une classe politique, c'est une classe d'assassin que lié. Il y a pas de politique qui a fait, c'est moun qui a touillé. C'est gang qui a fait. Mais par conséquent, nous gagne micro pour nous recycler fatra de temps en temps. Nous avons calé au peuple là. Et le peuple là pas voulait prendre, nous forcer fouiller dans bouche li. Nous faire violence sur yo. Mais après, problème. Gary Peuple Charles, même si je dis, son est le Gary Peuple Charles, on a fait émission longtemps. Oh! Aspect non, mon cher. Al chercher, on sait de Haïti débat. Al chercher Haïti débat 2013-2014, si je ne me trompe pas. Haïti débat. Haïti débat, Haïti débat. 2012, côté Gary Peuple Charles a fait analyse. Côté Gary Peuple Charles a fait un bras, on sait deux dossiers. Gary Peuple Charles, parce que vous oubliez, moi-même, comment se suivre. Et politique bien, et comprennent politique bien, c'était en 2013. Bien sûr, en 2013, vraiment gros focus, et 2012-2013, vraiment gros focus sur le dossier bagaille politique. Là, je dis nous gros focus, comme si je m'attendais bagaille là du près. Je focus sur les. 2012-2013, c'est le ça, comme si je gros focus sur les. Capable de dire 2000, après 12 janvier. Yeah, après 12 janvier. Et 2011, le, à partir de le matin, il prend pouvoir. C'est là ça vraiment commencé à focus sur le dossier politique. Et c'est là ça tout. Je viens comprendre, nèg avec femme. Je viens commencer à comprendre, nèg avec femme qui a fait politique en Haïti. Et je me dis clairement, est-ce que c'est possible pour moi, monsieur, ça au fin du bagage, je dis, en 2019, vous faites l'autre bagage. Après, demain, vous tournez, vous dites l'autre bagage. Et puis, vous toujours utiliser même peuple ça pour faire même ça que vous connaissez, vous ne pouvez faire peuple à faire. Après ça, vous même encore vont l'autre groupe pour attaquer même peuple ça pour être capable de jouer un grand bagage que vous avez besoin personnellement pour vivre avec la famille. Je dis, est-ce que c'est possible pour moi-même, comme jeune garçon qui comprend ça, pour moi, croiser bras, pour garder avec ça dans les yeux, qui continue à passer peuple ça dans la farine toujours. Je dis, non, font bagage. Et nous organiser nous. Nous préparer nous, et bien justement nous former tête, nous venons rentrer dans la bataille. De fait, nous prenons la dimension que nous prenons là. Avec la plateforme YouTube et Foubeto. C'est exactement ça. Nous avons une conviction. Tout. Parce que nous avons un pays, nous croyons que le pays n'a pas qu'à continuer comme ça. Nous finissons d'intervention, ça bien comprendre. Paris Cochet, beau plan, c'est un élément, un comportement d'opportuniste, de lâche. Parce que beau plan, il y a un courage, non? Il a Jovenel Mou, il dit ça. Non, depuis Jovenel était là, et pour te dire ça, pour te permettre à Jovenel de gagner deux pieds sous terre, pour dire Jovenel. Monsieur, vous m'entendez beau plan, dit. Jovenel dit, mettez sous speakerphone. Lidi Negyo, nous mettons tout pouvoir, premier ministre qui est ministre financier, économie et financier. Et oui, écrit question Bali, beau plan. Écrit question Bali pour le poser, président. Et puis, beau plan, pas jamais dit ça. Oui. Beau plan, ou pas jamais dit ça. Ou tenez la Jovenel Mou, peut-être, si tu te dis ça. Où émission t'es qu'à faire, monsieur, pas mourir, oui? Où émission t'es qu'à faire, nous venons tant là à compromis, oui? Ou quitter, monsieur? Gon perception que monsieur sont vagabonds, sont volés, sont pourris, sont des qui pas en tête. À preuve, toutes dans l'opposition, a dit, je venais ces coups de bas, Yuri, Lambert, Nenel, comment on a dit, Gonestan, il aime tout oublier, monsieur, il était bien avec moi. Oui, Sorel, j'accepte, monsieur, t'es bien avec moi, bien avec encore. Vous comprenez? Sorel, j'accepte. Marjorie, qui papa la pile, Chile Ludo. Bon plan, ou ouais, moun sa re vagabond, pas j'aime dit ça. Je viens le bas au pouvoir, qui je viens le mourir. Et puis c'est Jodio qui vient dire ça. Bon, femme du. Talé Gary. Moun nord-ouest. Marquez ça dans le pied bois, pap tombé. Marquez ça en côté. Parce que, où qu'on est li important pour nous? Parce que, où est le pays arrivé là? Map dou ça très bien. C'est action politicien ou même qui mène Haïti sa obgade là. Haïti sa kowe ou même qui n'a diaspora pas ka met pio la, c'est action politicien yon même. Gon perception que yon fait population kwe que Jovenel ki pa, sonne ki pa vle compromis du tout. Sonne ka met tout moun menti. Pendant ce temps, yon tout ap manje boue avec Jovenel de 3h du matin. Yon pren enveloppe l'argent. Yon chita balance mavel. Yon ap entendre se mavel. Jovenel planifie avec tout net. Yon même encore nou réunion.
Jovenel Moïse téléphone avec monsieur, et m'bref, nous tendez là. Ça le tap dit. Hein. Li dit Jovenel dans téléphone avec elle. Jovenel dit beau plan. M'ka peut-être pas croiser avec Negio Port-au-Prince, parce que m'pas avec Port-au-Prince, m'se nèg dans l'Ouest. Mais ou même m'a croiser avec quand même. Servez-moi comme avocat. M'a ban nous 95% pouvoir. Pour nous jouer en tête pour nous mettre stabilité dans le pays, pour nous capable de mettre Haïti sur rail. Oh monsieur, y a un président qui est élu démocratiquement. De premier ministre jusqu'à Kazakh dans le pays, parce que tout le bagage c'était décret. Li dit la banouyo, pour que nous capables de faire des oligarques corrompus plaisir. Alors, comment il est? Des oligarques corrompus plaisir. Nous pas jouer en tête avec le président pour le pays. Qui a porté Haïti dans le cas Boumbé. Nous plutôt faire ça pour oligarque, nous tuer président. Grâce la miséricorde, monsieur. Grâce la miséricorde. Yon classe d'assassin. Yon te équipe petit volant. Ou équipe gang sale. Ou équipe sans vergogne. Qui a fait politique ton pays. Malheureusement, c'est ça l'opris sa yo. Qui toujours là dans tête moun. Depuis 38 l'année. Yon qui raye pays d'Haïti. Depuis 1986. 2024, ça fait 38 l'année. Mais c'est yo. Me fait un dan. Équipe ravette sa yo. L'aime du an de yon. Pour islam et pour islam ça non. Pour criminel senti ça non. Même sa province me fait. Un petit passage me fait pas de presse. Et après ça, ravette ça yo. Oh! Bon, j'aime moun m'ra yon kwa te. Et politicien haïtien. Bon, j'aime moun sa yo. Désolé, peuple haïtien. Mais écoutez, oubligez les bêtes là dans nos lits. C'est pas faute nous. Yon président de la République offre nous 95% pouvoir. Pour nous capables de jouer en entente. Pour nous sortir Haïti dans la crise que l'a traversé, que yon te mette là. Président accepte pour lui juste rete comme un président poupetouel. La banou de premier ministre. Bon, écoutez. Si nous t'en. Si, c'est Jovenel même n'a pas été besoin touye. Parce que Jovenel qui t'a fait trois bagailles. Jovenel qui t'a calé les yeux peuple, mais ton perlé. Dans le pays, à côté que peuple a pas posé trois questions. N'a pas dit c'est monsieur pour nous touye. Bon, admettons que nous t'en. Si nous t'en vivons, folie coup d'état. Nous tous. Ok? Nous tous. Nous fait. Par exemple, nous tous. Nous t'en accepté avec compromis. Nous prenons deux premier ministre avec tout le gouvernement et puis nous installer et puis nous entendons nous glisser comme nous président coup d'état. Pour exemple, parce que moi elle fait tout côté. Nous font coup d'état, nous patrouille. Mais c'est lui même nous t'ai besoin trouiller. Parce que c'est Haïti même nous pas besoin, personne sortir dans sa gueule nouvelle là. Nous pas besoin peuple ça galon souffle. Chaque politicien pour petit te mettre New York, Canada, États-Unis. Alors plusieurs côtes plusieurs têtes dans États-Unis hein. OK? Pour petit nous vivre bien, mais pour petit peuple à vivre dans la crasse. Moun nord-ouest, à part son misère, pas de route. Beau plan sorti nord-ouest. Il fait plusieurs mandats comme sénateur. Moun nord-ouest, pas qu'à sortir dans ça. On président sorti dans le même département, ça m'a vu. La travail, au lieu de camper pour capable supporter et moun nord-ouest, à travers l'action que le président a posé dans le département, ou plutôt vin Port-au-Prince, ou vin débattre à président, vin vede l'huile dans tête monde pour capable faire machine d'accident pour rendre pays invivable. Pour violence à fait tout partout. Beau plan son chef de gang. Gars, il vient pour Charles, parler encore garçon parce qu'on a bien parlé. Pays a tant d'eau. Et ça yo, si me pose question qu'on y a capable parler. Gars, il parler garçon, nous aimons en pile. Dira. Va me tourner toujours. Te dit on nous pas négocier tout avec Ariel. Donc nous parler vers la transition. C'est un objectif caché de rapport là. Oui. C'est l'objectif principal là. Oui. Caché de rapport. Oui, c'est ça, c'est son analyse correcte, puisque en général, rapport pas vient comme ça. Oui, oui. Pas oublier non, c'est politicien qui écrit tout ça, parce que tout nègre politique qui a fait. C'est-à-dire que qu'on prend Ariel, qu'on prend Beauplan, qu'on prend Pierre Espérance et politique. Nègre assassiné Jovenel pour qu'il prenne pouvoir. Oui. Il n'a pas arrivé à prendre pouvoir de manière directe. Qu'on y a comme Ariel refusé de collaborer. Et me certain. Si Ariel te collaboré rapidement, il te vle président, tant qu'il y a un président, il n'y a pas de rapport à Mme Mitton. Ça fait qui est-ce Mme Mitton? Non, si bien que le lendemain de l'assassinat du président. Attendez, oui. Si Ariel te vle collaborer avec M. Yo, il n'y a pas de rapport à Mme Mitton. Maintenant, qui est-ce qui fait rapport? Elle a pour montrer au côté pays, oui. Son pays qui est oligarque a dirigé. En avance, Gary Pépon, je ne parle pas les gars. Peut-être si Mme Mitton a parlé, ou n'a pas parlé. Mais il faut me aller à chiffre là pour GPPC. Moi, mon border. Dis-donc, vous êtes en prêt pour mettre l'exécutif à deux têtes. À deux têtes. Donc,
Ariel Henry. Ariel Henry. Donc Ariel Henry. Donc ça veut dire que Ariel Henry, c'est sûr que il y a des bagages que monsieur pas accepté. Oui, monsieur donc, non. Ça vient faire que il y a des monde monsieur très non. Hostile la première interview monsieur fait monsieur dit dans scoop. Donc le banan a fait bicéphale. Ça veut dire lui rejeter une équipe politique. Équipe politique ça chaque bail équipe politique ça un gros coup de pied. Elle prend un coup terrible, un coup de massue. C'est la déclaration Beauplan. Beauplan dit que les hommes et les femmes de l'opposition sont bons vagabonds. Ouais. Nous tout virer sur Beauplan. Attendez, oui. Beauplan dit que c'est vagabond seulement qui n'a l'opposition. Y compris lui-même. Ce ouais. Qu'elle n'a pas dit. Oui, ce qu'elle n'a pas dit. Et les non dit. C'est pour ça que je veux dire ça. C'est que Beauplan voulait exister toujours. Dans l'opposition pendant la parler avec Jovenel. Mais ça, Beauplan n'a pas dit, c'est qu'il n'a pas dit que le document pour le signer pendant ça, non, à Dira. Il a dit, on signe un document ça. On prend accord. Après ça, on va jouer un négo. Même si on n'a pas voulu, on n'a pas avancé quand même. Beauplan ou les nègres dans la farine, il n'y a jamais signé à quoi. Ça veut dire que Beauplan fait partie de l'opposition qui n'a pas de Jovenel là. Ça fait deux, troisième balle qui gagne. Je voulais répondre Val sur ça. Beauplan n'a pas quoi Beauplan besoin de sénateur, ni besoin de député, ni besoin de rien du tout là. Beauplan besoin de remarquer qu'on popularité. Dans le département Jovenel, là, département pas là. Nord-Est, c'est ça? Nord-Ouest. Livre rouler ah, sous oui? Popularité ça. Pour créer une autre image politique. Comme l'opposition, pas dit Beauplan lui-même comme premier ministre, parce que tu es rejeté Beauplan, Beauplan Jovenel mourir, Beauplan tuer l'opposition. Donc, Beauplan renforcer Ariel, sans que le baron n'y compte. Hein? Les renforcer Ariel, parce que nèg l'opposition yo a proposé pour prendre pouvoir, bon plan dit nèg ça c'est vagabond pour remettre au pouvoir. Ouais. Mais faut bon connait nous tout connait nèg qui dans politique yo, c'est vagabond, yo tellement vagabond. Si c'est pas le cas, si bon plan t'a accepté avec Dira, avec Watson Sano, avec Kelly Bastien, pour te font un préaccord avec Jovenel, Jovenel pas t'a gétan mouri, donc par ricochet bon plan Beauplan, c'est un élément, un comportement d'opportuniste, de lâche. Parce que Beauplan n'a pas de courage, non? Il a Jovenel mourir, il dit ça. Non, depuis Jovenel était là, et pour te dire ça, pour te permettre à Jovenel de deux pieds sous terre, pour dire Jovenel. Monsieur, vous m'entendez Beauplan dit? Jovenel dit, mettez sous speakerphone, il dit, négo, nous mettons tout le pouvoir, premier ministre qui est ministre financier, économie et financier. Et vous écrit question Bali, Beauplan. Vous écrit question Bali pour le poser, président. Et puis, Beauplan, pas jamais dit ça. Oui. Beauplan, ou pas jamais dit ça. Ou tenez la Jovenel mourir, peut-être. Si tu dis ça, ou émission, tu as fait, monsieur, pas mourir. Oui. Ou émission, tu as fait, nous venons tant là, compromis. Oui. Ou quitter, monsieur. Donc, perception que monsieur sont vagabonds, sont volés, sont pourris, sont des qui pas veulent entendre. Approuve toute nous, toute dans l'opposition, a dit, je viens de ces coups de bas, Yuri, Lambert, Nenel, comment on a dit, Gonestan, il m'a tout oublié, monsieur, il était bien avec moi. Oui, Soré Yacet, monsieur était bien avec moi, il va bien avec moi encore. Vous comprenez? Soré Yacet, Marjorie, qui va pas la pulle, Chile Ludo, bon plan, ouais, mon sérieux vagabond, pas, j'aime dire ça, je viens le battre au pouvoir, qui est, je viens le mourir, et puis c'est Josué qui vient dire ça. Bon, femme du, il va pas prendre au sérieux. On yo pas pour sérieux pour Kounia mais on pas connaît que ou pas dans candidat ou pas dans bail ça mais l'histoire pas retiré dans équipe là surtout pour faire déclaration nous du merci parce que on mettait nos courants très tard mais l'histoire pas retiré parce que l'histoire prend comme une équipe pas sérieux même avec monde qui t'a refusé Jovenel. Parce que sous cacher la vérité, dans le moment, côté où tu es mettez vérité devant tout le monde, ou pas qu'à dire, ou voulez jouer un rôle militant politique, ou être fidèle ou pas trahi, comme si, ou remarquez les gars font mal, ou voulez rester toujours accompagné mal là. Ah!
Parce que regardez Gary dit je n'ai pas tout le président. Ouais ça m'aimer hein. M'aimer faut beto. M'aimer faut beto. M'beto m'aimer mon garçon. M'aimer. Gary I love you brother. M'aimer. Ouais je Gary dit là, bon faut dire même Jean comment t'es dit si tu retournes encore, m'aimer retourne faut retourner encore et m'a fait Gary parler. J'ai PPC parler garçon. Ou on a gap font mal pour tout le président. Bon plan qui te nèg tout le président et ça Gary dit là, oui t'as bien. Mettez nous au courant très tard. Mais l'histoire pas pour tirer haut. Parce que l'histoire prend comme une équipe pas sérieux, même avec monde qui te refusé journal. Parce que sous cacher la vérité, dans le moment, côté où tu as mis tes vérités devant tout le monde, ou pas qu'à dire, ou voulez jouer un rôle militant politique, ou être fidèle ou pas trahi. Comme si, ou remarquez que les gars font mal, ou voulez rester toujours accompagné mal là. Aïe, aïe, aïe! Jou pep sa kase chen. S'il pa tourne yon tigre, la tourne yon lion. Mais tout autant n'a bal mise, n'a fèl pi fo. N'a fèl koune plus expérience nan vili. Mais c'est pas faute nous. Nous pral mode yon traito, messieurs. Aïe aïe aïe! Chèkre le pit boula, c'est lui même qui nous wey. Ou si m'de samba, m'dap chante! Si m'de kon chante, malheureusement vocal la pas bon. Ça que fèm pas de kon chante là. Je suis supposé tourner au rossiol. Je suis chanté. Moi, si je vois Guiwewe, si je suis chanté quand tu as Guiwewe, papa. Je suis chanté, mon cher. Moi, je vois Guiwewe, oui. Tu as chanté bien, oui. Je ne connais pas Guiwewe, tu as chanté, non. Moi, si je vois Guiwewe seulement, je suis chanté. Je suis chanté. Je suis tourné au rossiol. Je suis chanté. 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 En dernier, ou yon djou, Guiwewe, t'en de Abdil pa kon chante, Guiwewe, garçon, bon mon l'autre musique encore, bon mon l'autre musique encore, papa. Oh, et parce que m'pa ka passe musique, musique là dans l'émission, mouen, parce que konne, ou kaba mouen, et ti bagay, ou kaba fem bien, ou mouen, ça veut dire que, mouen même se Guiwewe, ou est-ce m'de ki ti vocal Guiwewe seulement, oh, le m'ap chante musique ça, jou pep sa kase chen, s'il pa tourne yon tigre, la tourne yon lion, mais tout autant n'a bal mise, n'a fèl pi fort. N'a fait qu'on ait plus expérience dans la ville, mais c'est pas faute nous. Nous prenons le monde très tôt, messieurs. Chien que les pit boula, c'est lui-même qui nous way. Gary Pierre-Paul Charles GPPC. Tournez l'encore, garçon. Tidjon, coupe ça. Tidjon, coupe ça. Les assassins de Jovenel Moïse. Vérité a pas capable de la rue. Le temps a bail Jovenel. Attendez. Le temps a bail Haïti. Raison. Sous conze, sous traite lio, comme petite. Et petit pays, elle va prendre leçon. Sous classe d'assassin, ça y est, qui a fait politique dans le pays depuis 1986. Et bien, quand elle avait 10 gravettes, ça y est, prend contrôle Haïti. Mais qui côté au mené pays, dans le vol, dans le mouvement gang, mais qui côté politicien sans vergogne, mené Haïti avec une classe d'assassin qui est dans l'oligarchie pour y sortir. Mais qui côté au mené pays. Et c'est ça que nous devons attendre. Si vous prenez le temps ou le travail pour attendre toutes ces missions, ça y est, pour acheter par olio green bagren, ça qu'arrive aux gens difficulté pour que ou comprennent face au qu'on a détruit pays a. Et c'est là me dit nous, si nous besoin sauver Haïti, sauver ti moun sa gen 5 ans jodi a, pour l'an 10 ans ou pas vinn plus gros chef gang dans pays encore. Nous devons faire façon lancer une opération coup de manchette bois calé tout rouge derrière tout politicien ça yo dans pays d'Haïti. Parce que c'est eux même qui détruit pays pour faire oligarque plaisir. Yo fout détruit pays. Nous ka comprendre Jocelyn River a investi des centaines de millions de dollars américains dominicani. Des dizaines de millions de dollars américains dans immobilier oui. Jean Risseyan a investi des dizaines de millions de dollars américains dans immobilier en dominicani. Immobilier, vous avez dit que construit caille oui, fait building pour mettre dans Airbnb oui, fait condo oui. Ancienne premier ministre, ancien président, ancien sénateur. Je ne pas dire qu'on est que la patrie de non. Mais c'est Haïti ou prend comme la volet. Ou elle investit qui côté cola avec maintenant. Qu'on a fait me senti, l'homme par être dominicani. Me senti moué courant, moqué. Comme si pas de problème. Et puis qui côté Haïti, côté Haïti cola avec elle, 4 temps. Sauti. Pintou là, pour arriver. Et la spine à 3 heures de temps. Et pour l'em traverser, mais là d'ailleurs, je ne peux pas jouer une route, je ne peux pas jouer
électricité, pas qu'à jeune, yon bon moyen pour me communiquer, pour me communiquer, bon internet, pas qu'à jeune, ça au luxe dans le pays, nous faut détruire le pays pour faire politique senti. GPPC. Par contre, tu as un problème parce que je passe l'émission ça. Mais c'est seul les cap prêté. Et c'est les cap fort grand tout. Tandis ça arrive Paul Charles et puis retourne dans l'émission, je compte faire là. Boucher oreilles ou pas tant des pièces volées qui va critiquer du te compte boire, manger avec. Mais rebaille peuple à l'émission ça encore arrive Paul Charles. Entendez ça peuple haïtien. Faciliter mobilisation opposition contre Ariel pour dire international là, mais monsieur t'es pas là avec un assassin yo. Donc monsieur Bakala, nous pas négocier tout avec Ariel. Donc nous parler de la transition. C'est un objectif caché de rapport là. Oui. C'est l'objectif principal là. Oui, oui. Caché de rapport. Oui, c'est ça, c'est son analyse correcte, puisque en général, rapport après la vigne comme ça. Oui, oui. Pas oublier non, c'est politicien qui écrit tout ça, parce que tout négocié politique qui a fait. C'est-à-dire que qu'on prend Ariel, qu'on prend Beauplan, qu'on prend Pierre Espérance et politique. Négo assassiné Jovenel pour qu'il prenne pouvoir. Oui. Il va arriver à prendre pouvoir de manière directe. Ok. Qu'on y a comme Ariel refuser de collaborer. Et me certain, si Ariel te collaboré rapidement, il te voulait président, le temps de président, n'en a pas de mettre. Non, bon, si bien que le lendemain de l'assassinat du président, je te en prêt pour mettre l'exécutif à deux têtes. À deux têtes. Donc Ariel Henry. Ariel Henry. Donc Ariel Henry. Donc ça veut dire que Ariel Henry, c'est sûr que il y a des bagages que monsieur pas accepté. Oui, monsieur, donc, non. Ça vient faire que il y a des monde. Monsieur, non. Très hostile la première interview monsieur fait à monsieur dit dans scoop. Donc il pas affaire bicéphale. Ça veut dire qu'il rejeté mon équipe politique. Équipe politique ça, chaque bail équipe politique ça a un gros coup de pied. Elle prend un coup terrible, un coup de massue. C'est déclaration Beauplan. Beauplan dit que les hommes et les femmes de l'opposition sont bons vagabonds. Ouais. Tout viré sous Beauplan. Ouais. Beauplan dit que c'est vagabond seulement qui est dans l'opposition. Y compris lui-même. Ce ouais. qu'elle pas dit. Oui, ce qu'elle va dire. Et les non dit. C'est pour ça que je vais dire ça. C'est que Beauplan voulait exister toujours dans l'opposition pendant la parole à Jovenel. Mais ça, Beauplan pas dit, c'est qu'il pas dit que le un document pour le signer. On a avancé. Pendant ça, non, Akdera. Te dit on signe un document ça on prêt accord après ça n'a pas joindre négio même si on pas vrai n'a pas avancé quand même Beauplan roulé négio dans farine il pas jamais signé accord ça veut dire Beauplan fait partie de l'opposition pas vrai Jovenel là ça fait deux troisième bar qui gagne m'te m'vle répondre Val sous ça Beauplan pas ma quoi, Beauplan besoin sénateur, ni le besoin député, ni le besoin rien du tout là. Beauplan besoin de remarquer qu'on popularité dans le département Jovenel là, département pas là. Nord-Est, c'est ça? Nord-Est. Il voulait rouler sous popularité ça. Pour créer une autre image politique. Comme l'opposition, pas de dire Beauplan lui-même comme premier ministre. Parce que tu es rejeté Beauplan, Beauplan t'en Jovenel mourir, Beauplan tue l'opposition. Donc, Beauplan renforce Ariel, sans que le baron n'y compte. Hein? Il renforce Ariel, parce que nèg l'opposition yo, a proposé pour prendre pouvoir, Beauplan dit nèg ça c'est vagabond pour remettre au pouvoir. Ouais. Mais il faut Bob connaît, nous tous connaissons, nèg qui est politique, c'est vagabond, yo, tellement c'est vagabond. Criminel, yo, eh. Si ce n'est pas le cas, si Beauplan est accepté avec Dera, avec Watson Sanon, avec Kelly Bastien, pour te faire un préaccord avec Jovenel, Jovenel n'est pas prêt à mourir. Donc par ricochet, Beauplan, c'est un élément, un comportement d'opportuniste, de lâche. Parce que Beauplan n'a pas de courage, non? Il a Jovenel mourir, il dit ça. Non, depuis Jovenel était là, et pour te dire ça, pour te permettre à Jovenel de deux pieds sous terre, pour dire Jovenel. Monsieur, nous pas de Beauplan dit. Jovenel dit, mettez sous speakerphone. Il dit, Négio, nous mettons tout pouvoir, premier ministre qui est ministre financier, économie et financier. Et oui, écrit question Bali, Beauplan. Il écrit question Bali pour le poser, président. Et puis, Beauplan, pas jamais dit ça. Oui. Beauplan, ou pas jamais dit ça. Ou tenez la Jovenel mourir, peut-être, si tu te dis ça.
Où émission t'es qu'a fait monsieur pas mourir oui? Où émission t'es qu'il doit faire nous venant tant là compromis oui? Ou quitter monsieur? Gon perception que monsieur sont vagabonds, sont voleurs, sont pourris, sont des qui pas veulent entendre. À preuve toute nous toute dans l'opposition a dit je vais faire ces coup de bas Youri Lambert Nenel comment nèg Gonnas Olia c'est très bien oui. Moi me dit nous nèg politique c'est yo touyer président Jovenel. Moi mon seul bagage m'ta fait pour eux, tu n'écraser m'a dit nous ça très bien. C'est à l'aise nous à l'aise dans pays à trop. Nous touyer monde gens nous voulez, les nous pipite puis nous style a fonctionné. Et touyer pas fout touyer nous tout dans pays à qui cause nous à l'aise comme ça oui. Bah sérieux, comment ça passé? Si nous ka gagne grain dans bouda nous pour touyer président comme ça. Moun doit mettre grenade bouda tout famille président ami président moun qui te remet président qui l'argent amène imagine tout et nous tout parce que ou nous bagaille c'est pas qui quelque part petit président qui doit gagner l'autre bagaille derrière tête li ou une équipe moun qui te proche président qui de l'autre bagaille que y a défendre mais ouais pour Haïti moi même si m'étais proche collé président Jovenel Moïse en vérité bon Dieu les constater gon grigole sans t'a couler dans pays pas la jambe camper jusqu'à ce que m'ta fin avec nous voilà fond t'a tourner plus gros t'a plus gros danger pour nous dans pays ça la foutu président comme ça me connaissait nous tout yel. Et puis nous tout après n'a prend plaisir nous prend pouvoir nous t'a pour bagarre dans pays ça nous dans le barbecue danger barbecue pas jamais danger bonne méchant nous fout crase au pays comme ça nous tuer monde pour blague nous empêche petit comme si nous fait petit tout peuple pas à l'école pendant que petit pas nous à l'étranger pour que juste prendre pouvoir nous tuer président nous fait 120 jours pays l'autre monde pas à l'école nous tuer président en plus. Nous mettons kidnapping nos pays pour kidnapper les peuples, décapitaliser les gens, pour nous tuer le président Pilis, en plus de ça. Et puis nous vivons dans le pays toujours. Quatre monsieur. Haïti trop facile, man. Haïti trop facile. Nous pensons que nous faire ça comme si nous l'autre pays. Nous foutons la gonce de Baïla quand nous éclater nous. Bonne salope côté nous, bonne criminel. Nous c'est moun. La vie tout le monde paye. Comment ça passe? Tout le monde paye, papa. Comme si yo là, tout le monde connaît que, après le sénateur Nenel, le sénateur Bob, yo connaît son classe d'assassin. Moi-même. Quand la foule, t'as fait 365 jours avec chaque gagnant nous. Quand la foule mette là. Et puis, t'as pas nous payé. Tout est colonne, moi non. Tout est non. T'as pas de passer par terre. T'as foutu nous coups à tout. Bon méchant. Parce que pas de la juste pays. C'est nous qui mettons juge, pendant que c'est nous voler. C'est nous qui mettons commissaire gouvernement, pendant que c'est nous gang. C'est nous qui mettons chef de la police, pendant que nous avons volé, nous avons kidnapping. Payez pas la jambe de sécurité, payez pas la jambe de justice. Et son assoc pour lancer un bout d'un politicien pour mettre chien ça en bataille pour faire que le pays ça fonctionne. Si nous ne faisons pas comme ça, nous ne faisons pas jamais le pays. Tout autant qu'on entend de ces chiens ça qui a parlé sur le monde toujours, pas jamais Haïti. Yo tue le président pour blague. Qui ça, Jovenel, le défait? Jovenel pas fait nous mettre là. Même dit ça publiquement. On a fait hypocrisie, je dis. Montre que comme si nous avons Jovenel te dit, Jovenel a fait des bons bagages pour Haïti. Moi, dis ça clair. Monsieur a fait des bons bagages pour le pays. Peut-être que dans dans deux premières années, on n'a pas de comprendre Jovenel. Moi-même, tout, on a petit président sous Popetuel, son tchoul que lié. Effectivement, lui-même, tout le vient monter. 15 octobre 2019, il dit clairement, mais il a fait le chita. Il dit que c'est ton poupée qu'il te y. Mais naturellement, on ne peut pas depuis le déployer, la parler pour compter, pour pas ça le passer, jusqu'à ce qu'il assassine elle. On ne peut pas comprendre ça. Est-ce que le peuple n'a pas de capacité, monsieur, pour nous analyser, pour nous voir qui est ce qui a détruit nous comme ça dans le pays? On ne peut pas depuis parler autour de nous. Ou pas de pour moun ka parle pour ka prendre défense comme peuple, ka poser la question concrète pour comme peuple. Ou pas de tuer. Comme si nous camper, nous garder monsieur dans les yeux. Come on, man. Hey, n'est-ce pas à l'aise, man. N'est-ce pas tuer président. Ma retourne avec Gary encore. Ma fait nous quitter méchant. Et Gary connaît nous bien. Et me sentil ta parlé. Mais ma brache ça le dit, you green bagren, pour me décortiquer le banon. Gary Bajagon, pour me peuple la détail là. En avance. Oui, c'est ce qu'elle va dire. Et les non dit. N'est-ce pas méchant trop. Pour ça que c'est que Beauplan voulait exister toujours dans l'opposition pendant la parler avec Jovenel. Mais ça, Beauplan pas dit, c'est qu'il pas dit que le document pour le signer pendant ça, non, avec des rats. Mais ça. Il a signé un document, ça. Criminel. On prêt à quoi après ça. N'a pas joué un négo, même si vous pas voulez, n'a pas avancé quand même. Beauplan roule négo dans farine, il n'a pas jamais signé à quoi. Ça veut dire que Beauplan fait partie de l'opposition qui n'a pas voulu revenir là. Ça fait deux, troisième balle qui gagne. Je voulais répondre Val sous ça. Beauplan pas quoi, Beauplan besoin sénateur.
ni le besoin de député, ni le besoin en rien du tout là. Beauplan besoin de remarquer qu'on popularité dans le département Jovenel, le département Pala. Nord-Est, c'est ça? Mm-hmm. Nord-Est. Il voulait rouler sous popularité ça. Pour créer une autre image politique. Comme l'opposition, pas exemple, Beauplan lui-même comme premier ministre, parce que tu es rejeté Beauplan, Beauplan, tant que Jovenel mourit, Beauplan tue l'opposition. Ça allait bien, Béia. Beauplan renforcé. Ariel, sans que le baron n'y compte, il renforce Ariel, parce que nèg l'opposition yo, a composé pour prendre pouvoir, bon plan dit nèg ça c'est vagabond pour remettre le pouvoir. Mais il faut bon connait, nous tous connaissons, nèg qui est politique, c'est vagabond, yo tellement vagabond. Si ce n'est pas le cas, si bon plan est accepté avec Dera, avec Wasson Sano, avec Kelly Bastien, pour te faire un préaccord avec Jovenel, Jovenel n'a pas été mort. Donc, par ricochet, Beauplan, c'est un élément, un comportement d'opportuniste, de lâche. Parce que Beauplan n'a pas de courage, non? Il a Jovenel mort, il dit ça. Non, depuis Jovenel était là, et pour te dire ça, pour te permettre à Jovenel de deux pieds sous terre, pour dire Jovenel. Monsieur, vous m'entendez Beauplan dit? Jovenel dit, mettez sous speakerphone, il dit, négo. Nous mettons tout pouvoir pour le ministère qui est ministre financier, économique et financier. Et vous écrit question Bali, Beauplan. Vous écrit question Bali pour le poser, président. Et puis, Beauplan, pas jamais dit ça. Oui. Beauplan, ou pas jamais dit ça. Ou tenez le Jovenel mourir. Peut-être, si tu dit ça, ou émission tu as fait, monsieur, pas mourir. Oui. Ou émission tu as fait, nous venons tant là, compromis. Oui. Ou quitter monsieur. Gon perception que monsieur sont vagabonds, sont volés, sont pourris, sont équipés à vlant tête. À preuve, toute nous, toute notre opposition a dit, je venais à ce coup de bas, Yuri, Lambert, Nenel, mon égrenage, il m'a oublié, monsieur, il était bien avec moi. Oui, Sorel Yacette, monsieur était bien avec moi, il va bien avec moi encore. Vous comprenez? Sorel Yacette, Marjorie, qui va pas la pile, Chile Ludo, bon plan, ouais, mon sérieux vagabond, pas j'aime dire ça, je viens le barre au pouvoir, qui est, je viens le mourir. Et puis c'est Josué qui vient dire ça. Vous êtes au-dessus, Jovenel? Bon, femme du, il n'y a pas de problème. Tu as tête et tout. On n'y a pas pour aussi pour vagabond politique. Mais on pas connaît qu'on pas ou pas dans candidat ou pas dans bail ça. Un assassin politique. Mais l'histoire pas retiré une équipe là. On fait une déclaration nous dit merci parce qu'on mettait nos courant très tard. Mais l'histoire pas retiré parce que l'histoire prend comme une équipe pas sérieux même avec monde qui t'a refusé Jovenel. Parce que sous cacher la vérité. Dans le moment, côté où tu es mettre la vérité devant tout le monde. Ou pas qu'à dire, ou voulez jouer un rôle militant politique, ou être fidèle ou pas trahir. Allez. Comme si, ou remarquez que les gens font mal, ou voulez rester toujours accompagné mal là. Mais vérité, c'est Gary là qui va la c'est clair. Regarde là qui va la clair. Ou remarquez que les gens font mal, ou rester pour garder les gens qui font mal. La vérité, ou les gens prennent tout le président, ou quitter le tout pour faire preuve et comme si Simnadjo fidèle ou comme militant nèg nord ouest même j'avais quitté nèg tuyel c'est ça bagarre la tayé justement parce que mal là il était bon pour vous. Voilà mal là était bon pour vous. Effectivement il était bon pour lui ou qui là au fin tout Jovenel yo jeune Ariel il pas prend poste non mais la recevoir bout de sac l'argent mais ça Haïti ou pas ici mais pour ça oui nèg un pays invivable là mais qui ça ou t'a fait Jovenel passer là. Mais ça fait ou même ou pas qu'à l'Haïti comme diaspora. Mais qui ça fait peuple à quitter oui. Mais qui ça qui tue des milliers ici dans le pays d'Haïti oui. Bataille politique politicien. Vous comprenez ça? C'est yo oui. Je dis c'est yo qui besoin pour force multinationale vin là oui. Ou t'as de 2500 policiers. Ça yon ka fait dans mitan plus que 16 000 gangs. C'est politique bon là oui. Si gang yon te entendu vraiment, si gang yon t'entend venir en payer un service, pour pas que gang yon t'a fait, gang yon t'a touye tout politicien criminel yon pour foutre payer en chance. Si gang yon pas de gang, c'est pas même assassin yon qui yon t'a libéré pays à deux politiciens ça yon. Parce que yon trop méchant, ban criminel. En fin à gari. Vraiment, Bob. Nous devons être un homme politique plus sérieux. Aïe, aïe, fin à ça. Ok, mais pas ça, là, pas j'aime dire. Mais en tout cas, m'dou merci. Parce que m'te konjou vielon vagabond lié. Parce que m'pas te connais.
Parce que l'opposition a peut-être dit un bail tout le temps. Toutes les classes politiques ont dit, tout le monde vagabond, ancien sénateur vagabond, Yuri dit vagabond, vagabond, vagabond. Et puis finalement, vous venez dire nous journal pas le vagabond. Et vous faites moi que tout l'autre nègre vagabond, vous avez dit merci pour ça. Mais ça n'a pas fait retirer l'équipe politique qui a fait vagabondage là. Voilà. Peuple haïtien, mais comment Jovenel l'assassiné? De corrompu politique qui manipule un peuple qui n'a grand goût dans Port-au-Prince, fait bouler tout ton capital. Yo armé des jeunes garçons qui dans la police, fait rentrer dans gang avec gang cap kidnapper mon la rien, yo crase un pays. Patron yo financer des mercenaires colombiens, compagnie et mercenaires vi rentrer des mercenaires colombiens dans tuer président dans pays ya. En dans des beaux plans qu'on y a. Gary Pepon Charles Mercier pile garçon. Pendant pays loc là, Jovenel Moïse relève notre fond. Ça dit bien. Dit bam sinon que va habituer dans l'ordre, c'est des bob. Moi avant pas de arriver là. Uh-huh. Ou c'est nèg d'ordre pareil moi. Uh-huh. Mais faire certains nèg faut participer dans fermé pour voir la même. Uh-huh. Ou t'es besoin mettre ma genou. OK. C'est où capable avec nèg pour lever. Uh-huh. Quelle humilité. Me dit monsieur, ça me fait président. Monsieur me prêt pour me nos 95% pouvoir. 95% pouvoir. Mais pas la nèg pour moi. La petite histoire devient la grande histoire sur le plan. Bon, pas. T'as bien oui. Mes paroles que Gary Saut dit. Et vous connaissez même pas parler pour nous. Jean Foucault qu'on alors gagne rubrique ça, la République des coquins. C'est seul archive qu'a prêté. Mais bah là. Entendez bien. Alors, et ça le journaliste là, des Augustes, mais quoi, qui c'est actuel porte-parole premier ministre là, qui c'est docteur Gary Conné. Et des Augustes, en pile respect pour bon bagarre flaneur, ou son jeune qui gagne pile capacité nous remont en pile flaneur. Kembe jobou là et fait travail ou bien Jean a fait là, OK? Et Kembe là, pas prendre l'intimidation. Et pas occuper ancien ravet capissé attaco parce que on pas être ancien débici pas yo qui porte parole yo autorité dans pays d'Haïti comme si Simdadjo jeune n'a pas de affaire rien parce que tant ou même comme jeune ou qui capacité passer yo. Bravo jeune garçon. En outre et jeune journaliste des Augustes qui te fait interview ça avec Evalier Beauplan nèg l'huile là qui t'a vidé de l'huile dans tête monde pour ti monde fait accident là pour l'école nèg qui te qu'on a dit que faut que pas même marquer non ti monde pas payer pour ça wa wa paysa. Ya ya, nèg yo à l'aise. Nous tuer, nous bouler, nous racher, nous vivre encore. Nous tuer, nous racher, nous bouler, nous still à vivre. On avance, tandis que vous l'avez ça. Notre fond. Il m'a dit non que m'habitue dans l'odeur, c'est une bombe. Moi, avant, pas de arriver là. Ou c'est nèg d'odeur, c'est pareil, moi. Mais faire certains nèg faut participer dans fermé pour voir la même. Ou t'es besoin de mettre ma genou. C'est où capable avec nèg pour lever. Quelle humilité. Me dit monsieur, ça me fait président. Monsieur me prêt pour me nos 95% pouvoir. Pas la nèg pour moi. La petite histoire devient la grande histoire sur le plan. Bon, pas la nèg pour moi. Ils me font 30 à 40 secondes pas parler. Monsieur dit ou dans téléphone me dit président. Me dit président m'va le fond bagaille que m'bacha me dit là. Nèg pas croire que moi m'avoir nous gain franc parler ça sur question ça. M'a font on l'autre appel. Il m'invite tous les amis, venez là avec moi. Nous chita ensemble. Je me dis, monsieur, m'a obligé de mettre le président sur speakerphone pour me faire reprendre le message. Mais ça, qui est-ce qui était là? Bon, l'invité, vous connaissez. Oui. Depuis, je me dis, vous connaissez les grands ténors de l'opposition. Mm-hmm. Tout n'est qu'à le président Jovenel. Et, gon plume avec papier dans mes nègres, il y a mis des questions pour me poser. Et tout n'est qu'à attendre. Quelles questions déposées? Je me dis, président, tout n'est dit, c'est mentoy. Qui garantit-moi que si au moins, nous rétracter, si au moins nous obtempérer, que va marcher dans le chic là. Qui ça, président, répond? Monsieur Tim, je veux jouer à l'avocat. Nous sommes du même côté. Je ne peux pas croiser avec l'opposition, mais je ne peux pas croiser avec vous. Je ne peux pas croiser dans notre adresse. Fais ça pour moi. Et il t'entraîne dans le petit. Et je dis, monsieur, nous avons deux choix. Si nous pas accepter marcher, monsieur Kavin violent qu'on a. Parce que monsieur, tant que son couleuvre qui est dans tout lit, et il a besoin de sortir, nous n'avons pas de chance pour sortir. Et je me dis, monsieur, mais qui garantit ce gain puisque c'est l'international qui a soumis? Monsieur dit, on ne met pas la tête, aucun contact. Vous comprenez ce qui passé? Dernier appel, là, je vous monsieur, finit de tourner, il 10 minutes après, je viens parler avec l'international. Je suis avec le président au téléphone, je dis, bien sûr, je viens toucher, je lui parle au téléphone. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je dis, mais ça, dit, ok, nous derrière ça, nous là. Moi, il dit l'opposition encore. Je dis, c'était l'ambassadeur qui est là. Moi, je démissionne au nom de qui est-ce que ça parle? Je relève M. Koldi la parole au nom de toute mission diplomatique. Pause. Le plus important. Sénateur, pause. C'est-à-dire, le président Jovenel était prêt. Prêt.
C'est-à-dire le problème, il était prêt. On est là pour parler la vérité. Il était prêt. Le problème n'était jamais le président Jovenel Moïse, mais l'opposition. Il était prêt. Non, c'est dit son vérité. Le problème était l'opposition. Pas 40 années. Yo madame pour moi ambassadeur. Yo pensé qui à la base de problème là. Séance de note moi l'ambassadeur, moi les sections politiques là. Me dit moi dois rencontrer tel ambassadeur. Yo dit moi sénateur c'est difficile, nous gagne urgence. Yo les ambassadeurs mettez sur les là, ambassadeur Evalia, c'est comme ça. Yo ambassadeur Evalia, dis-moi. Nous voilà me gagne urgence pour que moi rencontre. Il dit Evalia viens chez moi vendredi. Et l'opposition vous cherchait quoi alors? C'est ça le problème. Moi. Et je dis à ces gens, il y a un problème que moi je viens de guerre avec l'opposition. Et ni moi ni Kélimassien. Une autre petite question que je me suis posée. Il dit que le président Jovenel a accepté pour le bas ou même, ou bien sénateur qui Bastien. Ça, c'est dans des moments où je parle les pays locs. Les pays locs, ambassadeur. Pour qui je me finis ça? Une seconde. Ambassadeur a invité la Cadi vendredi. Il dit me finis seul. Parce que je suis un langage diplomatique, je ne voulais pas l'avoir. Je n'ai pas autant d'île. D'arriver, nous chitons dans le palais. Question de culture diplomatique. Monsieur, il dit, Evalia, laisse-moi te dire. Est-ce qu'on connaît en pile dans notre élection bon? Oui. C'est l'élection ça qui a accouché Jovenel? Oui. Est-ce qu'on pensait nous-mêmes encore qu'à dire même élection ça pas bon, Jovenel pas bon? Il dit non, pas quoi. Il dit, mais maintenant, bye, tout le monde n'a pas pu sortir. Accepter, dit la Jovenel, et que l'international a sorti honorablement, ou a sorti honorablement, et puis Jovenel a sorti. Il dit, pas qu'à prendre responsabilité. Il dit, prends téléphone, alpha Yuclo avec collègue. Je fais Yuclo à téléphone, il n'a pas marché. Il dit si que vous acceptez marcher, m'a fait Jovenel venir là qu'on est pour même avec Jovenel au nom de l'opposition. Ce qui m'a pas d'habilité à faire. C'est-à-dire que l'opposition, hein, pas d'accord qu'on fait ça. Non, j'étais monsieur, monsieur a tombé quand même. C'est ton illusion, monsieur a tombé quand même. Nous mettons continuer à peser, monsieur a tombé quand même. Donc nous passons 3 mois à payer l'autre comme ça. Nous arrivons là. Et puis, finalement, en 2019, après un pile échec, que chaque fois que je fais ça en réalité, je ne vais pas avoir des résultats. Parce que je suis monté au Congrès américain, dans le Sénat américain, de tous côtés, je parlais, je porté mes messages, dans toute l'ambassade, je porté mes messages. Ils ont toujours dit qu'il faut me jouer une entente, il faut me rentrer dans un dialogue. Ils n'ont pas qu'à aller comme président pour mettre nous comme civil. Mais finalement, je ne suis pas capable, 2019, en décembre, je m'inviter toute opposition à la Cameroun. C'est énorme. Je me dis toute opposition, tout pour me connaître. Diopode, non pas Diopode, les SDP. Dans SDP. C'est que démocratique et populaire. Les plus importants, les dirigeants, je dis monsieur, je dis non. Nous faisons route ensemble. Nous sommes les trois facettes. Nous avons facette diplomatique. Je me suspecte que nous avons fait échouer sur le terrain diplomatique. Nous avons facette politique. Je viens de croire que nous avons presque échoué sur lui. Nous avons un grand bagage que nous avons dit avec nous, facette militant. Si je m'abandonne la bataille, je dis que je m'a prêté dans la route là avec nous pour me faire preuve de fidélité, même quand on m'a perdu. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu fais silence? Bien sûr, je me connais perdu parce que ça n'a fait là, il n'y a pas aucun livre de sens politique. Bon, posons une question, sénateur Evalia Beauplan. Et vous-même, qui ça vous a cherché? Vous pensez peut-être son illusion, d'où ça déjà? Je ne sais pas quoi, vous méchant, vous pensez que je venais la tomber. Capitulation totale là. C'est que je venais la tomber. Moi, en dans mon diplomatique, moi, pas quand je venais la tomber. Bon, posons une question directe encore, et maintenant que je venais la tomber, il est encore dans la rue. Hein. C'est ça, voilà, c'est, ça fait ouais, c'était illusion. Nous ne pouvons pas parler pour nous absorber le choc ça a fait. Pas même tomber, assassiner. Donc assassiner, oui. C'est que nous ne pouvons pas parler. La preuve, on est bien grande. Qui est même qui touille le président? Objectif, ce n'est pas l'autre. C'est d'assassiner le président. Moi-même, moi, dis-nous ça très bien. C'est une classe d'assassins qui dit qu'il a fait politique. Il met ton pays à genoux. Il met ton peuple dans souffrance. Il a même pété famille à l'étranger. Et puis, il a détruit le pays. Politicien haïtien, c'est comme Simdadjou. Gon moun ki bay on mission même ki di regarder n'a prend 40 ans pour finir un pays ça net ngé les pression était 2 ans là parce que yo était 38 ans si t'as 40 ans ou 50 ans yo était 12 ans pour finir avec nous net et on regarder dans niveau dans état n'a yo metté Haïti ou est-ce mission n'a yo gagne même n'est que c'est haïtien yo pour tout bon oui bon plan son haïtien son nèg mon yo n'a gardé yo même j'avais moi on paysan même Jovenel lui mais ou elle mette le service d'un système pour détruire toute ton nation, tout ton pays. Yo pas honte. Et puis yo voyager, petit tu as vivre à l'étranger, yo acheter car à l'étranger, yo gen belle machine à l'étranger, yo a route, yo électricité. Yo a qui gen internet. OK, technologie a pas avancé dans tout pays dans monde là, en Haïti. Là yo a rentrer pays dans trou. Yo a rentrer Haïti dans trou. Yo a bataille pour foutre détruire un pays jusqu'à ce que tout yon président dans mitan boule figue tout le monde. Là yo réduit pays en cocorate.
Nèg fait tout moun ka fait effort dans pays a, tourner kokora tout connaît. Nèg yo rentre avec un kidnapping dans pays, kidnapping dans pauvre tout moun net. Yo craser tout moun ki t'a fait effort dans pays a, et puis yo même seulement yo gen l'argent parce que ce sont des kidnappeurs qui dit être politiciens. Et puis tout moun de bien croiser bras yo, quand y a garder bonne ravette ça au sou moun qui continue à marcher sou moun à détruire société. M'trouve que li pas acceptable. Et faut gagne une décision drastique qui prend pour qu'une frappe monsieur ça au fort. Frappe au dieu pour sentir ça au t'a faire parce que pour jamais qu'on frappe. N'est pas qu'à tout président comme ça. Et pour tout monde camper à garder nèg nos société comme si son jouet qui pas jouet. Li pas en blague assassiner nos chefs d'état en fonction. Li pas jouet. Assassiner nos président de la République pour faire politique ou pour faire l'argent, li pas en blague. Et que tu dois payer pour ça. Et que tu dois payer ça très très cher, peuple haïtien. Si nous avons tout le président, ça n'a pas de monde nous battre dans le pays. Et de fait, nous trouvons tout le monde vrai. Ça nous y est nous-mêmes. Alors, 2 grenes vie, 3 grenes vie, 4 grenes vie. Même je docteur Gary Kone dit là, 12 000 personnes prennent 12 millions de personnes en otage. Alors, pour 12 000 personnes, ça va mourir. Vive François Duvalier. Pas de guitare en fait, mes garçons, vraiment. Vive François Duvalier. 12 000 personnes, ça va mourir déjà. Pour sauver 12 millions. Si chiffre 12, mettez tous les deux noms pour soit capoter 12 millions et pour 12 à pour si on doit pas poter, prend doit la noyel. Noyel 12 000 ans. Sauver 12 millions. C'est docteur Gary Kone dit dans les Nations Unies 12 millions moun. Alors 12 000 moun prend 12 millions moun en otage. Défaite en lance opération pour nous identifier tout 12 000 moun nan. Et puis pour nous foutre bois calé dans pays parce qu'on seul je n'a fini avec ça oui, 12 000 moun pas en pile non. Parce que pas de justice. C'est la peine de mort pour nous d'abord tout. De fait, en connaît notre traite, notre traite sur exemple, nous n'avons pas besoin qu'il y ait plus de monde dans le pays. Hein? Parce que yon même peut-être yon, yon tout yon quantité de monde. Yon tout yon quantité de monde. Yon même veut trouver président. De fait, en fou façon non. Si gang à sapat, si gang politique, si gang oligarque, il fait 12 000 oui. Pour nous sauver 12 millions, en lançant bagage dans le pays. Nous qu'a fait ça, oui, monsieur. Nous qu'a sauver Haïti, oui. Comme si Haïti, nous pas qu'à jouer nous 2 millions Haïtiens qui lançons bataille contre 12 000 monde. Comme si dans 2 millions, nous jeunes presque 8 000 policiers là dans la ZAM. Pour nous tuer tout petit gang à sapat, tout petit gang politique, tout petit gang oligarque, comme si vous nous faites ça. Pour nous sauver le pays, nous lâche. Nous tous peuvent mourir, comme si nous avons bien tout ça, nous avons mourir. Et puis, qui est mourir pour moi. Et puis, qui est mourir pour moi, nous tous peuvent mourir. Et nous avons un cocorat là, et nous avons une famille, et nous avons un gars, et moi comme si nous avons dit, comme si qui va mourir. Et puis, qui est mourir. Mettre mourir, pas un problème. Et moi, cocorat là, qui est mourir. Et moi, sans famille, je ne peux pas monde qui sont pour moi. Et moi, je ne pas madame qui est petite là, mais il y a problème. Moi, qui t'aime la moi, pourquoi moi? Nous tous peuvent mourir, nous ne pas mourir, non. Mais regardez, pays qui a disparu. Haïti a disparu, nous tous peuvent mourir. Pas de problème. Bon, Dieu bénit chaque gagne, non. Et puis, il faudra dire, moi, je m'accepte pour me faire bataille, ça, il faudra dire, je mourir, moi, ma bouche est tout, non. Nous pas mourir. Que bon Dieu bénit, non. Que bon Dieu bénit, non. Gary, peut pas chargoter la garçon, moi, je vais parler, oui. C'est pas que ça, il y a trois plaques. Allez, pas ça, non. Côté Gary, est-ce que c'est ça? C'est pas ça, non? C'est pas ça. Côté gars, quand Gary face avec Ariel, bien que je vais entrer dans l'autre chapitre là, oui. Mais il est tellement important pour nous râler ça pour vous. Mais il est important, oui. C'est avant de râler Gary, je vais râler ça. L'État qui revenu qui te doué, que l'État te doué générer. Tête, monsieur. N'est-ce que prend Stanley? N'est-ce que finance Stanley, les gars? Yeah. Nan yo finance tan elika. 2 octobre 2023. 4 juillet 2024. Pa jam gen nouvèl Stanley. Moun ki pa lave myon ba kwa nan sa ou di m nan. Honnêtement, mon qui parle avec yo, m'ba konnen sa yo di m'nan, parce que m'ba konnen yo. Pour moi-même, gon bagay ki pase Stanley. Et faut que nous pas perdre parce que si Stanley le cas, ça arrive comme ça. Et bien, à n'importe quel moment, on a décidé de disparaître n'importe où.
qui fait bataille ça dans le pays. Est-ce que nous comprenons? Et ouais, on parle en pile comme si on perception pour faut comprendre que c'est les malades, les dissidents, comme si on parle qu'à parler, mais pas clair. Gon bagay qui passe. Stanley Lucas. Yeah. Qui ton parole pour Stanley moi? Parce que nous obligés et parce que pas oublier 2 octobre Gabine là a fait Stanley 1 an depuis pas jambe dans d'elle. Alors on parle Stanley Lucas 2 octobre bon. Et si je ne me trompe pas, 2 heures, si je ne me trompe pas, soit 2 ou bien 6 octobre. Parce que je vais oublier, 7 juillet, alors je vais dire 7 juillet, 7 septembre, et moi, Marcel Lika, nous avons fait une belle bralée sous le dossier et ancien sénateur Guy Philippe. Le sa Guy Philippe était pour te libérer, joie. Stanley Lika courir l'im, Stanley Lika dit mon bagage, 1, 2, 3, 4, 2, et c'est exactement ça, Stanley Lika dit, c'est Guy Philippe vient dire dans une voice. Ça a quitté tellement d'informations. Je regrette Stanley Lucas. En pile. Absence Stanley Lucas, vin fait un travail plus dur. Vin fait un goût plus. Pendant que tâche était capable. Plus facile pour moi. Présence Stanley Lucas te kon facilité. Gen pile et détail. Il y a des recherches que je ne peux pas prendre trop de temps pour me faire. Mais maintenant, il ne faut pas dormir la nuit. Et je parle avec un paquet de monde, je cherche à fouiller les zones dans Kalalo pour jeune Kishoy. Et avec Stanley Lucas, l'émission était comblée. OK? Et bien Stanley Lucas dans l'espace pendant environ 45 minutes dans la deuxième partie de l'émission. Eh bien, je ne vais pas espace encore pour l'autre monde. C'est Stanley. Mais Stanley Lucas, oui, papa ici. Gon baga qui rive Stanley, que yo pa vle dim. Andade Stanley. Nan kat dossier assassinat Jovenel Moïse. Nu qui te doué, que l'État te doué générer, te doué à joindre peuple à travers projet pour construire route, bâtir l'école, bâtir sécurité. Et nan men nèg yo kob la e. Les présidents sorti pour le retirer nan men nèg yo. Nèg yo tue président. Moi même, excusez-moi, bon fin ça. Moi même, pas gen personne. Pas gen personne qui a empêché moi quoi c'est Reginald Boulos à Dimitri Vob qui touye président Jovenel Moïse même si nèg yo pa kite trace John Mais Joel non. Joseph depuis 15 ans dans toute violence qu'il a fait pas jamais fait violence sur Dimitri Vob c'est John Joel Joseph qui a loué machine que mercenaire au servi pour touye président moi même Stanley Lika m'a dit nous devant caméra pas gen personne qui a retiré dans tête moi c'est Dimitri Vob à Reginald Boulos qui touye président Jovenel Moïse massacré la caille pas gen personne nèg gen doit casser faire couvrir ça mais ça va pas changer le président a monté premier bail il fait li couper pour 4 milliards 500 millions dollars américains de contrat automatiquement ou gon parti dans secteur privé a qui commence planifier qui gens pour mettre la tête et en plus de ça président vinn mont et vinn mayen une série de dossiers qui ont calémisé en dedans pays a donc dossier électricité a nèg yo te kon volé 300 millions de dollars américains par année pendant 13 ans li bo 3 milliards 900 millions de dollars américains deux fois cop pétrocaribé a que nèg yo manger pour 4 heures courant par année en par jour en dedans pays a deuxième dossier que président allemandien l'allemandien dossier construction de route nèg yo te kon fait payer et m'a bon non yo vobé fils te kon fait l'état payer 1 500 000 dollars par kilomètre président non étude que le fait vient montrer que même kilomètre de route là a bénéfice qu'a fait 150 000 dollars vous songe Jean-Marie Vob qui t'a sous coupe FM qui t'a passé président dans bêtise parce que t'es ça et tout le monde vient voir que même route yo construit même qualité à 150 000 dollars le kilomètre li vinn mayen dossier produit pétrolier nèg yo t'a volé trois côtés dans produit pétrolier au moins 450 millions de dollars américains par année nèg acheté gaz là à prix plat yo vinn bon marché yo vinn revendre l'état à prix cher dans opération ça yo volé 40 centimes par gallon 20 millions de dollars américains par mois 240 millions de dollars américains par année nèg yo volé 2 milliards 400 millions de dollars peuple là en 10 ans comment pays ka fait progresser comme ça dans manipulation dollar
chaque fois nèg yo manipuler dollar de janvier de avril à juin 2020 nèg yo dévaluer dollar et goudron de 28% pour yo faire cob en même temps monter inflation pour déstabiliser société à 26% cob diaspora que nèg yo volé nèg yo te doit faire 3 centimes sous chaque goud que yo changer sous chaque dollar que yo changer en goud. OK, nèg yo fait entre 6 et 8 goud sous chaque dollar diaspora. Comment nous allons bâtir une société pour un petit groupe qui a pillé la société? Donc, là où tout est président, c'est pour raison ça. Et réforme n'est pas facile. Donc, toute instabilité politique qu'on a pendant 4 ans et demi, c'est nègre. Nègre, secteur privé, bourgeois, volé, pays d'Haïti. C'est eux qui distribuent les armes dans le quartier populaire. C'est eux à travers le port privé qui fait les armes entre elles distribuées dans le quartier populaire. Donc, nègre, tu voulais montrer que Jovenel n'a pas qu'à diriger avec violence des gangs ou son GPI lock. C'est eux même qui viennent avec gang yo qui fait gang à tirer sous la police pendant pays là. Donc c'est ça la réalité. C'est facile je dis hein. Président par là pour que yo lagué tout ça qui t'est passé au sous dos adversaire président. Li pas facile ma bon exemple. Non, bon exemple concret. Mais nous pas aucune preuve vous ça. Ouais, mais ma bon exemple. Bon preuve. Bon deux preuves. Bon deux preuves. Moi même l'autre challenge comme ça. On connaît son bail moi même le match l'homme challenge. OK, bon bord de preuve. OK, Fantôme 509 attaqué business régional Boulos et Universal Motors. C'est pas Genève qui t'est venu défendre ni. Ouais, Simon Pelé. Ouais, Genève Simon Pelé qui vient défendre business Boulos. Effectivement. Donc à qui est Genève affilié là? Gang Cité Soleil a parlé. OK? Yo sur YouTube yo disponible n'importe qui auditeur cap garder là cap checker. Tout gang Cité Soleil c'est Boulos qui distribue Zamba yo. Oui. C'est clair. Si ou gang l'aime se sorti pour parler, yo paye 500 000 gouttes pour pas gagner temps parler by détail. Audio ça et vidéo ça disponible sur YouTube. C'est des preuves concrètes. Si, si... Non mais audio, son monde qui parlait. Mais qui a montré non, que mais... blanc sur noir, tu gon l'argent qui te baille, tu gon zam qui te distribué, pas de photo. Mais qui sont en société? Mais qui sont société démocratique qui est? C'est les gangs nan vini, expliquer c'est Boulos qui bal zam. Non mais écoutez, Sanley, on connait assez fort. Yeah. Sanley, nous d'accord, c'est facile pour moun monter sur pour vidéo moi même côté chi là, m'ga dit on bagaille. C'est pas vidéo. C'est pas forcément c'est vrai ça. Non, c'est le témoignage. Le témoignage de comment il est monsieur encore Jimmy Serizé alias Barbecue. Monsieur dit qui sénateur qui connait voyer bagaille Bali. Monsieur dit mais qui ça Boulos qu'on voyer Bali. Pour qui ça président lui-même. Écoutez, président ou son chef d'état. Donc on connaît ça, ça veut dire un chef d'état qui dimension chef d'état. Ou c'est président, ou gen des gangs qui a simaye la terre, son territoire qu'on a dirigé, ok? Ou qu'on est qui est qui bat aux âmes, ou qu'on est qui est qui mette pays dans une situation comme ça, et c'est où l'a affaibli politiquement, pour qu'il ne s'en pas de fin. Et la police commence à ranger col pour mettre les âmes sous gang. Ce n'est pas bourgeois délinquant pays d'Haïti qui crée Fantôme 509 pour affaiblir la police avec syndicat. Oubliez les attaques là pour faire contre village de Dieu. C'est Dimitri Vob, tweet là la sous contre Dimitri Vob, oui. C'est Dimitri Vob qui dit attaque sous village de Dieu contre gang yo baka fait non. Bagay yo là, preuve yo là, position yo là, yo va disparaître. Et c'est ça monde digital là. Monde digital là tellement gain élément là dedans construire réalité a pas difficile. Le président by Lord pour attaquer gang yo, ou son je dis quoi? La police pas l'entrée village de Dieu. Qui est-ce qui dit? Deux mouns qui dit que la police pas l'entrée village de Dieu. Dimitri Vob et Pierre Espérance. Non mais Dimitri Vob et Pierre Espérance pas chef d'État. Yo ka toujours gon position. Moi en tant que citoyenne, mon ka gon position. Mais c'est pas moi qui en position pour me décider. Ok. Jenny Kagon ba ou pas rend nous compte. L'État pas nan men président que nous élu. C'est première fois nous avons un président qui a essayé de prendre l'État dans mes nèg yo. D'après vous, comment Boulos fait entrer dans l'ONA? Il prend 2 milliards 900 millions de gouttes l'argent travaillé. On l'autre boy, bon l'autre boy prend 1 million de dollars américains. Ou qu'a entrer dans l'ONA pour faire ça? Nèg yo c'est l'État yo est dans l'État. Président a essayé reprendre l'État pour le remettre bay peuple là. Nèg yo tuel. OK. Qu'on y a président victime. Nous-mêmes j'en t'ai dit hier dans cérémonie hommage que nous t'a fait pour président de l'ambassade d'Haïti à Washington là où t'ai dit que bataille là continue pas qu'une autre option. Regardez, si nous pas voulez moi même son bail qui révolte moi l'aime garder état en famille haïtienne en section communale à vivre c'est grave
pas gen de l'eau dans criche kay la sou gade sa cabane nan kay pa la c'est des bagay qui doit révolter tout monde qui gen conscience dans société a vérité pas gen non moi même tout nèg konnen son capitaliste on grand nèg qui investit c'est normal pour faire cob c'est normal pour faire bénéfice c'est pas ça nèg yo fait nèg y a pillé l'état y a pillé peuple dans secteur privé et puis tout petit toute richesse pays comment vous voulez que nous gon pays qui gen 99% moun noir pas gen bourgeois noir dans pays a tout moun nan peyi a ka viv bien a resous ki gen nan peyi a men nèg yo meton struktu la kote ou se l'état dans l'état nèg yo kontrole tout ministère président ka ba on lòd dan lè et puis c'est lòd pa nèg yo ki pase ri c'est l'état sa nou gen nan men an tan mwen ki pèt pèmèt mwen fin sa ri an 30 ans nèg yo afèbli l'état ki parti politique ki remèt nèg yo tout bien l'état génératrice de revenus c'est pas unité li ba yo minotri d'Haïti li ba yo ciment d'Haïti li fè cadeau téléco li fait cadeau vareux, li fait cadeau contrat et produits pétroliers monopole, li baille au secteur bancaire, li baille aux frontières, li baille aux la douane, tout bagay yo nan men nèg yo. Alors que l'état qui revenu qui t'est doué que l'état t'est doué générer, t'est doué à joindre peuple à travers projet pour construire route, bâtir l'école, bâtir sécurité et nan men nèg yo comme là. Les présidents sorti pour le retirer nan men nèg yo tué président. Moi même excusez-moi, bon fin ça. Moi même pas gen personne qui peut m'empêcher moi quoi c'est Reginald Boulos à Dimitri Vob qui touye président Jovenel Moïse même si nèg yo pas quitté trace clair John Joel Joseph depuis 15 ans dans toute violence qu'il a fait pas jamais fait violence sans Dimitri Vob c'est John Joel Joseph qui a loué machine que mercenaire au servi pour touye président moi même stand l'élu m'a dit nous devant caméra pas gen personne qui a retiré dans tête moi c'est Dimitri Vob à Reginald Boulos qui touye président Jovenel Moïse massacré la caille pas gen personne nèg gen droit casser faire couvrir ça mais ça va pas changer ça va pas changer voilà c'était stand l'élu et nous pas attendre stand l'élu ça fait longtemps nous pas attendre stand l'élu me souhaiter attendre stand l'élu maintenant commissaire Jean-Ernest Muscadet commissaire Maman Pemba, commissaire Pepe Potea, commissaire Kiba Pechaela. Meni. Messieurs, dames, commissaire Muscadet et André de Payan, monsieur décidé pour que le Bayon Bourade sous tout territoire national là pour garder comment nous t'avons joindre la paix mettre stabilité dans pays ça mettre sécurité dans pays là mon senti on volonté manifeste à monsieur pour nous joindre un résultat mais son monde que lié en tant que haïtien il pas considéré comme un commissaire gouvernement non en tant que haïtien il prend les armes pour les combattre criminels qui capturer monde dans pays là Muscadet et c'est travail ça quand j'en souhaite dans une machine qui pas même climatisé bien même. Il souhaite un petit bouki avec un revolver dans mel. Il pas arrêté dans un bureau pendant que c'est job li. Il la propose superstar, c'est dans un bureau li tête veste sous li chaque jour, li gagne yo. Li gagne rad sérieux. Mais le pito met ton gilet par balle sous li. Vin gonfler dans chablène de même côté avec policier nou yo. Policier soit qui m'a profité pour me saluer. Alors tout pour parler de commissaire Muscadet, mais que policier soit qui t'accompagne. Gros coup de chapeau pour policier soit yo. Eh bien, Muscadet prend un risque là pour nous-mêmes, captant de cap gade là. Pour nous-mêmes, qui déjà besoin rentrer. Muscadet prend. Eh bien, un groupe qui décide dans le pays pour éliminer le commissaire Jean-Ernest Muscadet. Qui s'en a fait avec vous? Qui est Pierre Espérance? Qui est Pierre Espérance utile à Haïti? Pour Pierre Espérance à persécuter Muscadet? Qui fait Pierre Espérance besoin de tuer tout le monde dans le pays? Tout le monde qui a fait bagarre pour peuple là monsieur besoin attaquer nous trouver normal pour monsieur faire pression sur mener justice pour mener justice alors écrire mener justice pour mener mener justice révoquer Muscadet Pierre Espérance son nèg qui mérite un bois calé dans pays là que tout haïtien alors tout haïtien organisé yo pour foutre mission bois calé dans pays parce que nous pas tolérer ça nous pas accepter l'égalité n'est pas possible nous pas qu'on nèg a fait tout qualité crime li impliqué dans tout le président li impliqué dans toute qualité bagarre dans pays pour le faire politique li pour le supporter groupe li mais go groupe moun ki l'a détruit li dit Muscadet dans G9 je dis pas qu'a joué G9 pour dire Muscadet li comme si l'a pas attaqué Muscadet à tous les niveaux li Muscadet ba tout nèg bois et puis c'est gang ouyé tout pour prendre bois
mais pas qu'à attribuer Miskade avec Genève là encore, qu'on n'a pas ça pour le dire, les écrits nouveau ministre justice là. Il m'a des révocations Miskade. Qui ça Pierre Espérancier pour Pierre Espérance mandé pour révoquer commissaire peuple là, commissaire national là, commissaire diaspora haïtienne là, commissaire que nous payons à nous-mêmes comme diaspora haïtienne. C'est nous qui payons Miskade. C'est nous qui balle machine blindée pour louler. C'est nous qui balle l'argent pour mettre dans la poche. Li. C'est exactement la diaspora haïtienne. Ça Pierre Espérance fout de vous. Ça monsieur utile. Pour se camper pour la attaquer nous-mêmes, intérêt nous dans le pays d'Haïti. Que diaspora haïtienne a une force, une voix, pour vos réponses, bah Pierre Espérance dans le pays d'Haïti. Parce que ce n'est pas possible. Que peuple haïtien dans le pays d'Haïti, si Muscadet est utile, nous, que nous parlons avec Pierre Espérance. Mon nanip, si le commissaire Muscadet est utile, nous, je ne vais pas nous prendre la oui. Parle avec Pierre Espérance. Mon okaï dans le sud, si Muscadet est utile, nous, prends la oui. Vos messages bah Pierre Espérance dans le Port-au-Prince. Mon gredance, si le commissaire Muscadet est utile, nous, prends la oui, vos messages par Pierre Espérance. Moun, ti gouave, grand gouave, fais même bagay lan. Prends la oui. En foule, montre Pierre Espérance, manchette nous filer. Gasoline nous na, allumette nous là, nous en éruption, considère nous comme véritable, comme si volcan. Dis-moi si nous pas répondre li. Dis-moi si nous n'avons pas répondu. Moun, sud de Jacmel, commence à filer manchette nous prends la oui. Vos messages clair, par Pierre Espérance. Moun le yoga nous connaît pas jouer. Vos messages ba Pierre Espérance pour moi. Et bien dans Port-au-Prince là, moun ki moun debien dans Port-au-Prince, commencez bay des conférences de presse pour nous voir un message clair. Bay soi-disant groupe gang ça yo, groupe volé ça yo qui dit y a défendre moun nan. Pierre Espérance nous dans des gwenon. Papa ici moi men nous en pile. Jodi a c'est fête indépendance et les États-Unis d'Amérique et tout haïtien américain a fêté. Me dit nous bravo. Bonne fête de l'indépendance, si je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas, non. Mais si je n'ai corrigé pour moi. Moi, je suis en pile, que bon Dieu bénisse chaque gagnant, qui t'attendait, et garde l'émission, que bon Dieu bénisse Haïti chérie, nous, qui est là.